Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous souhaite une cordiale bienvenue au Centre culturel des Terreaux pour cette soirée organisée par l'association Cèdre Réflexion. L'association Cèdre Réflexion est une association créée il y a une dizaine d'années pour créer des liens entre la science et la spiritualité. Alors cette année, le cycle de conférences de Cèdre Réflexion concernera la conscience. Nous aurons 5 soirées événements, dont la première est ce soir, mais il y aura aussi en février, mars, avril et mai. Nous traiterons des sujets, ce soir ce sont les psychédéliques, nous y reviendrons bien sûr. En février, ce sera le rêve. En mars, ce sera l'hypnose. En avril, la médiumnité. Et en mai, le chamanisme contemporain. Chaque fois avec des orateurs prestigieux, le programme est inscrit sur le programme du Centre culturel des Terreaux. Alors, pourquoi la conscience? Eh bien, je crois, par mes recherches personnelles, par les réseaux, par les conférences qu'on a déjà eues ici, que la conscience est un vrai sujet d'exploration pour le 21e siècle. Je dirais même que la conscience, c'est l'aventure scientifique du 21e siècle qui va permettre de faire dialoguer science et spiritualité. La conscience est une nécessité d'exploration interdisciplinaire, d'intelligence collective, qui va faire se croiser les sciences de la nature et les sciences humaines. Et quel meilleur sujet que les psychédéliques pour attaquer le cycle sur la conscience, puisque avec ces substances très particulières que nous allons aborder ce soir, nous avons un véritable carrefour biopsychosocioculturel et spirituel de l'esprit humain, de son exploration. Parce que les psychédéliques existent depuis toujours. Dès qu'il y a un homme debout, à l'aube de l'humanité, il y a l'angoisse fondamentale. Et l'homme debout se questionne sur l'invisible, sur les mystères de l'univers, et les premiers chamans vont utiliser les substances, mais là je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Stefan Schillinger. Ces substances psychédéliques, qu'on appelle entéogènes aujourd'hui, ont accompagné l'humanité, et nous allons, grâce à Stefan, pouvoir lever le voile sur les endroits où elles se sont cachées. Et comment elles font retour aujourd'hui? Elles font retour aujourd'hui aux médecines, puisque, comme vous le savez sans doute, elles sont maintenant utilisées pour des prescriptions médicales dans des indications très précises en Suisse, pour la dépression résistante, pour l'alcoolisme et en psychotraumatologie. Donc c'est un peu, pour moi qui suis un vieil addictologue, assez surprenant de voir arriver les psychédéliques comme une nouvelle catégorie thérapeutique en médecine. Bien. Donc, l'imagerie cérébrale, la pharmacologie, l'anthropologie, tout concourt à faire des psychédéliques un véritable carrefour des savoirs pour explorer la conscience. J'ai donc l'immense honneur et le grand plaisir de recevoir ce soir Stefan Schillinger. Alors, Stefan Schillinger est déjà une star, malgré son relativement jeune âge, parce qu'il a écrit un best-seller qui est en vente et qui vous fera une dédicace à la sortie. Le best-seller, c'est « La sagesse interdite, révélation sur les plantes psychédéliques à l'origine des traditions spirituelles ». Un livre qui m'a flashé, que j'ai lu 2 fois, pour être sûr que j'avais tout compris et que j'étais d'accord. Ça, c'est une autre question. C'était pas d'accord. Ouais, on a des choses, on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est ça qui fait l'intérêt de la soirée, n'est-ce pas? Parce que moi, je viens du spirituel, et voilà, on a des choses à se dire. Et puis, on est dans une église, hein, les jeunes, n'oubliez pas. Bon, il va vous dire des trucs pas possibles sur l'Ancien Testament et tout, vous verrez, ça décoiffe. Voilà. Donc, passionné de spiritualité et de psychologie, Stéphane est écrivain, consultant, conférencier. Il est suivi par plus de 180 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et il a eu différentes vies. Il était sportif, dirigeant. Il a travaillé dans la banque et même dans la banque suisse. Alors là, c'est quand même un comble.
Mais il a fait un virage spirituel. En 2017, il a quitté la banque et il a approché un public plus large à travers une approche humaniste. Et il fait un cheminement spirituel depuis plus de 20 ans. Et il explore notamment la conscience, c'est pour ça qu'il est là. Et il a accompagné des dirigeants d'entreprises, toutes sortes de gens en France, dans le cadre de son boulot de gestionnaire de fortune. Et il a vu toute l'importance qu'avait l'exploration du sens de la vie et de voir un monde plus grand. Donc, il a écrit aussi des petits books sur Facebook qui sont aussi édités papier. La collection Par un curieux hasard, si ça vous intéresse, qui marche très fort. J'ai vu qu'il y a eu des millions de visiteurs. Et il a fait des conférences TED. Ça, c'est aussi la gloire. Hein. Voilà, il est passé dans les revues natives et inexplorées, ce qui est aussi... Et c'est un copain d'Olivier Chambon, qui est un de mes vieux potes, parce qu'on se connaissait déjà il y a très longtemps avec Olivier. Bien, vous l'aurez compris, Stéphane Schillinger, c'est une grosse pointure, c'est un type brillant, il va vous faire une conférence qui va vous époustoufler. Voilà, ça va être formidable. Après, tu ne peux pas les décevoir. Hein. Ils sont prévenus. Hein. Non, il n'y a aucune pression, non, non. Voilà, donc je vais te laisser toute la place et je reviens dans trois quarts d'heure faire une petite discussion avec toi, te montrer toutes les questions qui se posent après t'avoir entendu. 45 à 50 minutes. Bonne chance. Bonsoir. Merci Jacques pour cette présentation qui ne me met aucune pression. Déjà que je suis un petit peu impressionné par la caractéristique helvétique des conférences et du sujet, puisqu'il rassemble beaucoup plus de monde que dans mon pays, en France, et aussi par la ponctualité caractéristique. Hein. En France, on commence toujours une heure après l'heure avancée. Voilà. Donc, je vais justement vous parler un petit peu de la loi française, parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe chez nos voisins. Alors, en guise d'introduction, il va y avoir une ellipse juridique. Alors, j'ai conscience que ceux du fond n'arriveront pas toujours à tout lire, mais je vais le lire aussi pour vous. En tout cas, ce que nous dit la loi française... elle va très loin. Elle nous dit que nous n'avons pas le droit de parler d'une substance illicite en termes positifs. Donc si par exemple quelqu'un vous dit le LSD c'est bien, il y a une dimension thérapeutique, en France c'est puni de 75 000 euros d'amende et de 3 ans de prison. Quand bien même la science le prouve de plus en plus. Mais la loi va encore plus loin. C'est que nous n'avons pas le droit de parler d'une substance légale et de lui prêter les mêmes propriétés qu'une substance illégale. Donc quelqu'un qui vous dirait, c'est pas moi, hein, mais quelqu'un qui vous dirait la noix de muscade est psychédélique, ou le safran a une dimension potentiellement psychédélique, c'est puni des mêmes effets, 75 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Donc tout ça pour vous dire que, même si je suis sur le sol suisse, cette intervention, cette conférence n'a aucune dimension incitative, ni facilitatrice, hein, et en aucun cas j'encourage la consommation de substances illégales, quand bien même la Suisse a une approche qui est quand même beaucoup plus libérale et plus avant-gardiste que ses voisins. Puisque je dis toujours, hein, le LSD est un petit peu votre patrimoine historique. Donc je vais me limiter à une approche factuelle et informative. Je vais commencer, je vais essayer de tenir en 45 minutes, sinon je serai interrompu par Jacques. Et je vais commencer par juste une ellipse théorique avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est peut-être la dimension historique et religieuse et spirituelle de ces outils de la nature. Et puis peut-être par une dimension un petit peu plus spéculative, et nous aurons un échange peut-être riche en questions. Une première notion que j'aime bien aborder, c'est la nuance entre psychédélique et entéogène. Donc étymologiquement, psychédélique, délos, qui révèle, et psyché, l'âme.
ou éventuellement l'esprit, ou éventuellement la dimension inconsciente. Donc on est face à une substance qui, soi-disant, révèle le contenu de l'âme ou révèle du matériel inconscient. Et on emploie parfois ce mot « entéogène », donc vous aurez reconnu dans le mot « entéogène » comme dans théologie « Dieu », le divin, « gène » qui génère et « en soi ». Mais il y a aussi « entéos » qui est l'enthousiasme grec dans sa dimension plus poétique, donc on serait en face d'une substance qui génère le sentiment du divin en soi. Et cette nuance, elle a été particulièrement mise à jour par le législateur américain qui, face à un très fort mouvement populaire de légalisation qui se place derrière la liberté de conscience et la liberté de culte avec la liberté d'avoir son propre sacrement religieux, a fait une nuance entre entéogène et psychédélique. Et donc un entéogène est une substance qui permet d'avoir des états élargis de conscience et qui a une utilisation traditionnelle et qui est naturelle. Donc tombe sous le coup des entéogènes, par exemple tous les cactus à mescaline, les champignons à psilocybine, l'ayahuasca, en grande partie l'iboga, et tomberait peut-être sous le coup des psychédéliques, toutes les choses qui sortiraient plus d'un laboratoire, comme la kétamine, le LSD, la MDMA, même si on les trouve en occurrence naturelles. Et donc il y a cette notion, mais les deux notions peuvent s'enchevêtrer. Un psychédélique peut aussi être un entéogène, un entéogène peut être psychédélique, un entéogène peut aussi ne pas être psychédélique. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a une petite nuance, qu'elle est importante, parce que entéogène implique un peu plus une dimension traditionnelle, transcendantale et spirituelle. Alors pour démarrer, un petit dessin que je vais vous traduire. Et donc on a un journaliste qui est prétendument Graham Hancock, pour ceux qui connaissent, et qui demande à un natif « Mais quel est le problème avec notre monde ?» Et le natif lui répond « Vous avez coupé le lien avec l'esprit. » Ou on pourrait même aller jusqu'à dire « jusqu'à la nature. » Et donc c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on appelle cette renaissance psychédélique, qui est ce regain d'intérêt pour ces médecines, ce qu'on appelle des médecines ancestrales, où aujourd'hui cette renaissance est portée par deux grands mouvements. Un mouvement qu'on pourrait qualifier de strictement scientifique, à tendance parfois scientiste, avec une approche matérialiste par opposition à ceux qui connaissent le post-matérialisme. Et puis peut-être un autre mouvement, qui est celui que j'ai cité juste avant, un mouvement qu'on pourrait presque qualifier d'entéogénique, qui va aborder la dimension des psychédéliques sous son aspect entéogène, avec peut-être une dimension plus transcendante et bien sûr post-matérialiste, où on va considérer qu'il existe quelque chose au-delà de cette réalité-là dont on est en train de faire l'expérience et dont les traditions spirituelles nous racontent presque tous qu'il s'agit d'une illusion. Je ne vous demande pas de lire ça, c'est trop petit. Mais c'est juste un graphique qui va regrouper les psychotropes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les frontières entre les neuroleptiques, les dépresseurs, les stimulants, les hallucinogènes, les psychédéliques, sont un peu poreuses. Donc la définition de ce qui est un psychédélique, de ce qui ne l'est pas, n'est pas très claire selon du point de vue dans lequel on s'exprime, depuis lequel on s'exprime. Et souvent, on dit qu'un psychédélique, c'est quelque chose qui vient élargir nos perceptions et qui agit sur le circuit sérotoninergique. Alors sans aller jusque dans certains réductionnismes, mais l'idée est juste de s'apercevoir qu'il y a vraiment un enchevêtrement de diverses catégories, une certaine porosité. Je vais aborder la notion de dangerosité. Donc on a une phrase de Paracelse qui décrit bien la chose. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et pour illustrer cette phrase de ce médecin considéré comme un des précurseurs de la médecine moderne au Moyen-Âge, et bien tout simplement, 7 litres d'eau par heure est considéré comme une dose mortelle. Donc quand on boit de l'eau, on est face à quelque chose que, quand la dose n'est pas respectée, devient mortelle. En regard de cela, vous pouvez être en présence de la drogue la plus puissante et la plus dangereuse du monde. Si la dose n'est pas suffisante, vous ne sentirez rien et il ne se passera rien. Donc en fait, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Alors l'approche scientifique, afin d'essayer de mesurer la dangerosité d'une substance, va prendre plusieurs critères. On a certaines études qui vont regrouper 16 critères, mais je vais vous parler principalement très brièvement de 4 ou 5 critères.
Le premier, c'est un ratio entre dose perceptible et létalité, mais dose mortelle. Donc on se rend compte que plus le ratio de perceptibilité d'une substance, la dose perceptible est proche de la dose mortelle, plus on aura un facteur de dangerosité. Un second facteur serait le caractère addictogène d'une substance. Un troisième facteur, ce serait le danger qu'il crée pour notre organisme, au sens physique du terme. Et puis un autre facteur, c'est le danger qu'il crée pour notre santé mentale. Donc voilà déjà quatre critères de dangerosité qu'on peut regarder avec une certaine objectivité. Et puis aller un cinquième facteur, c'est le préjudice que la consommation d'une substance va créer à la société. Quel va être mon comportement à risque et quel va être l'impact au niveau social. Donc on a déjà cinq critères de dangerosité qui nous permettent de regarder peut-être ce soir de replacer l'église au milieu du village en ce qui concerne la dangerosité de psychédéliques par rapport à des substances qui sont tout à fait légales, peut-être même présentes dans la salle, comme l'alcool par exemple. Et quand on regarde par exemple ce premier graphique, je vais le détailler pour ceux qui sont au fond de la salle, on a la représentation d'un ratio entre dose, c'est le premier critère dont je vous parlais, entre dose perceptible et létalité. Et donc on voit que pour l'héroïne, il est très proche, il est de 1 sur 6. La dose perceptible étant 1, la dose létale étant présumée comme étant à 6. Et tout en haut, vous avez cannabis, psilocybine, LSD. Et le graphique n'est pas tout à fait exact, puisque à titre informatif, il place le ratio de létalité entre dose perceptible et dose létale pour le LSD à 1 sur 1000, mais c'est tout à fait indicatif, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à tuer un être vivant par administration massive de LSD, donc ce serait plutôt 1 sur l'infini. Hein, pareil pour la psilocybine. Mais c'est intéressant de voir qu'à la lumière de ce seul critère, on a l'aspirine où on est à 1 sur 200. Est-ce que le café est ici ? Le café est à 1 sur 50, le tabac 1 sur 21, et puis l'alcool 1 sur 10. Donc, et en rouge, je vous ai mis quand même quelque chose d'assez intéressant qui concerne plus la France. Mais en France, on a une liste de stupéfiants qui a été établie de manière quasiment mondiale en 1971 et qui va regrouper tout plein de substances interdites. Certaines très connues, d'autres moins. Et c'est la liste des stupéfiants. Ce qui est intéressant, c'est que cette liste qui a été établie en 1971 de manière relativement arbitraire, va inclure des substances dangereuses, des substances inoffensives, des substances qui vont réduire notre champ de conscience, réduire notre perception du monde, fortement l'altérer, et des substances qui vont l'élargir et qui vont nous faire percevoir des choses en élargissant, par exemple, nos champs de perception, ou tout simplement en révélant la dimension inconsciente de notre personne, de l'existence, peut-être même une dimension collective, une dimension archétypale. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Conseil constitutionnel français a attendu 50 ans pour définir le mot stupéfiant. Et donc, en février 2022, elle définit la notion de stupéfiant. Un stupéfiant est une substance nocive qui crée des dommages à son consommateur et qui est addictogène. Et donc, à la lumière de cette nouvelle décision, on se rend compte que les psychédéliques sont inclus par erreur sur cette liste interdite et sévèrement punie, dont la consommation ou le commerce ou la possession est sévèrement punie, puisque on se rendra compte dans les slides suivantes qu'ils ne génèrent pas d'addiction ou très peu d'addiction comparativement aux substances légales ou aux drogues dites dures et qu'ils créent très peu de dommages. Donc ici, on a une étude de 2007 au Royaume-Uni par le professeur David Nutt, qui est relativement connu, et cette étude établit la dangerosité des drogues les plus consommées selon 16 critères. Et quel que soit pratiquement le nombre de critères employés dans ces études, on a une forme d'invariabilité du classement, où on trouve toujours en tête du classement de la dangerosité, de manière quasiment invariable, l'alcool, l'héroïne et le crack. Et après la méthamphétamine, et puis après le tabac. Et tout en bas de classement, les toutes petites colonnes, eh bien, on découvre LSD, MDMA et champignons et psilocybine. Et quand on prend le même classement avec seulement 6 critères, on arrive à peu près à la même chose, trio de tête, alcool, héroïne, crack, méthamphétamine, et tout en bas, LSD, champignons et psilocybine et MDMA. Ce qui permet un peu de replacer, d'avoir une certaine perspective et de replacer l'église au milieu du village. Et puis on parle beaucoup de la dimension
surtout en ce moment, de la dimension thérapeutique de ces substances dites psychédéliques, entéogènes. Et les études scientifiques nous montrent, finalement, que la dimension thérapeutique, c'est-à-dire l'atténuation des symptômes pour plus d'une quarantaine d'affections pour la plupart psychologiques, comme les troubles obsessionnels compulsifs, l'angoisse de fin de vie, la dépression, les addictions, eh bien, il y a une vraie corrélation entre l'atténuation de ces symptômes et la dimension spirituelle de l'expérience. Et quand je parle de dimension spirituelle, on pourrait presque mettre le mot mystique ou le mot transcendant. Hein ? Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé statue que dans sa définition de la santé, il y a trois piliers, physique, mental et social. Et depuis 50 ans, elle planche sur le sujet de la santé spirituelle, hein, qu'elle n'a toujours pas inclus dans sa définition, mais il existerait une santé spirituelle. Et alors, il y a toujours un grand danger à conférer à une organisation internationale la définition de la spiritualité, qui est quelque chose finalement de très intime, hein, qui, à mon avis, ne peut souffrir d'aucun dogmatisme. Et pourtant, elle tente de définir ce qu'est la dimension spirituelle. Et donc, on retrouve très souvent dans la dimension spirituelle le mot de transcendant, c'est-à-dire l'accès à quelque chose de plus grand qui nous dépasse, dont le sens et l'intelligence nous dépassent. À titre personnel, très personnel, j'aime bien parler d'intelligence non humaine. Peu importe ce qu'on va mettre derrière ça. Et puis, donc, on a quelques études. Alors, on a plus d'une... nombreuses études qui établissent une corrélation entre dimension spirituelle de l'expérience psychédélique et atténuation ou disparition des symptômes, notamment dépressifs ou anxieux. Une étude de Roland Griffiths nous explique en conclusion que lorsqu'elle est administrée dans des conditions de soutien, la psilocybine a occasionné des expériences similaires à des expériences mystiques spontanées. La psilocybine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la substance active psychédélique de ce qu'on appelle les champignons magiques que vous pouvez trouver, et qui, bien sûr, à ne pas ramasser, surtout pas. Une autre étude de 2023 qui regroupait 985 participants nous dit le groupe qui a eu les expériences les plus perspicaces et mystiques et les expériences les moins difficiles, qui est un aspect contestable, les expériences les moins difficiles a montré le plus d'avantages en termes de rémission de symptômes d'anxiété et de dépression et d'autres avantages plus durables. Hein, donc, certaines personnes qui sont familières des expériences psychédéliques peuvent dire que plus l'expérience est difficile, puisque c'est pas toujours des expériences plaisantes. Hein. Ce sont des expériences très confrontantes puisqu'il y a un contenu biographique ou archétypal ou symbolique qui est logé dans l'inconscient, qui peut faire l'objet de répression durant toute une vie, qui remonte à la conscience à partir du moment où l'expérience est vécue de manière suffisamment forte. C'est pas toujours agréable. Et on peut penser que plus l'expérience est difficile, plus on fait face à un matériel inconscient qui, finalement, à la lumière de la conscience, se résout, se résorbe, fait l'objet d'une homéostasie et d'une résolution presque organique. Et finalement, cette étude nous raconte que plus l'expérience est agréable, plus les avantages sont perceptibles et durables. Et puis enfin, une revue systématique sur 12 études a découvert, enfin a statué que sur 12 études, 10 études ont établi une association significative de corrélation entre le caractère mystique spirituel d'une expérience et l'atténuation des symptômes. Elle nous dit l'expérience mystique était un prédicteur significatif de l'amélioration des résultats. Et puis on peut se demander, alors chacun va parler de son expérience avec des psychédéliques ou des entéogènes, on entend tout, on entend n'importe quoi, le sensationnalisme lié à Internet fait qu'on va trouver souvent des choses assez surprenantes quand on va chercher. Alors on pourrait s'intéresser à peut-être une approche beaucoup plus phénoménologique de la qualité de l'expérience psychédélique. Alors il y a une association de dimension mondiale, une fondation qui s'appelle MAPS, Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques, qui a interrogé 1000 consommateurs d'ayahuasca. Et on a tenté d'en extraire à travers un questionnaire qui s'appelle le MEQ-30, questionnaire d'expérience mystique, pardon, MEQ-130, 130 questions, qui sont là pour faire ressortir un petit peu le contenu expérientiel d'une expérience, en tout cas le contenu mystique, et d'arriver à mesurer la dimension mystique d'une expérience. Et donc, on leur pose 130 questions et j'ai fait le travail pour vous. J'ai extrait de ce questionnaire les
les questions qui remportaient le plus de suffrages pour essayer de qualifier de manière relativement autant que faire se peut objective, ben c'est quoi l'expérience de l'ayahuasca ? Alors l'ayahuasca, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à la fois un breuvage et une liane endémique d'Amérique du Sud, et qui est composée, donc un breuvage qui est composé de cette liane, plus une autre plante traditionnellement, mais pas toujours, qui s'appelle la chacruna, et qui contient la DMT, qui est un psychédélique endogène produit par notre corps, notamment au moment du décès. Il y a une très forte décharge de DMT, et on suspecte d'ailleurs cette décharge dans le cerveau de ce neurotransmetteur d'être à l'origine des expériences de mort imminente. En tout cas, quand on compare le contenu phénoménologique de l'expérience de mort imminente et celui de la DMT, on a vraiment un chevauchement assez marquant des caractéristiques rapportées de ces deux expériences. Alors, quand on demande à ces gens-là, est-ce que l'expérience, elle est life-changing ? Est-ce qu'elle change la vie ? Alors, chaque personne pouvait répondre entre fortement en désaccord, en désaccord, neutre, d'accord ou fortement d'accord. Et donc, quand on regroupe les gens qui sont d'accord ou fortement d'accord, on a 84% des gens qui disent que c'est une expérience qui change la vie. On a 86% de gens qui disent que c'est une expérience mystique, 83% de gens qui disent que c'est une expérience visuelle et 92% qui nous disent que ça vaut le coup. Alors, c'est d'autant plus surprenant que, pour ceux qui le savent peut-être, c'est une expérience purgative sous plusieurs dimensions. Et elle est rarement, paradoxalement, rarement décrite comme entièrement agréable. Hein. C'est quelque chose de très, très confrontant. Hein. Moi, c'est l'expérience qui a changé ma vie, qui m'a fait partir de la banque suisse pour écrire des bouquins. Et puis, on leur demande, est-ce que c'est une expérience d'émerveillement ? 74%, 75%. Et puis, on va gagner un petit peu de temps. Est-ce que mon préféré, alors c'est difficilement traduisible en français, « gain of insightful knowledge ». Est-ce que c'est une expérience qui nous permet d'acquérir un savoir intuitif, exogène, hein, prétendument exogène, hein ? Eh bien, on a 76% de personnes qui disent fortement ou extrêmement, qui se disent fortement ou extrêmement d'accord avec cette curiosité-là, cette étrangeté. Puis on arrive dans le vif du sujet, je vais essayer de vous faire voyager à travers le temps, à travers les continents. Et puis vous avez droit à des images. Ces images sont intéressantes parce qu'elles font l'objet d'une certaine forme de transculturalité. Géographiquement, on peut être difficilement plus ou mieux réparti puisqu'on a l'Espagne, l'Australie et le Canada. Et puis elles se ressemblent. Et selon les spécialistes, que ce soit les préhistoriens ou les anthropologues, il y a un consensus quand même qui se dégage pour dire que ce sont des tentatives de consignation d'expériences psychédéliques ou entéogènes. Quand on regarde l'art pariétal, hein, dont ces images sont issues, et qu'on voit qu'il y a des buffles, des bisons, des cervidés, on ne se pose pas la question, ils sont dessinés parce qu'ils ont été vus et parce qu'ils sont contemporains de ceux qui les ont dessinés. Il y a en l'occurrence moins 36 000, moins 40 000 et moins 3 000. Donc on a aussi une forte disparité en termes d'époque. Et puis là, on peut s'interroger, mais alors est-ce qu'ils ont vu ça ? Hein ? C'est vrai que ça paraît tout de suite moins évident, surtout pour celle de gauche. Et pourtant, c'est là. Et donc on se rend compte qu'il y a une forme de, je ne trouve pas exactement le mot, hein, mais une forme de transculturalité, une forme de transversalité, une forme d'universalité, voilà, à travers ces dessins. Et puis pareil, ici on est États-Unis, Tanzanie en moins 87 000 et en Australie en moins 15 000. Et donc on a notamment sur la droite deux dessins qui sont étonnamment similaires et qui sont séparés de 70 000 ans et de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Et les spécialistes s'accordent pour dire que c'est une expérience, une tentative de consignation de ce que l'expérience d'ingestion de champignons dits magiques, plus scientifiquement parlant de champignons qui contiennent de la psilocybine, mais pas que, nous fait sentir. Certaines personnes, dont moi, parlent d'une expérience symbiotique. Plusieurs personnes, dont vous pouvez lire les témoignages, parlent de cette expérience entéogénique, psychédélique, comme le fait d'avaler un être vivant qui nous enseigne des choses.
Alors, ce n'est pas toujours ça, et ça, c'est une interprétation qui est finalement très libre. En tout cas, il se dégage de ses expériences avec les champignons magiques ou l'ayahuasca, la sensation d'être envahi par une intelligence exogène qui serait là pour nous expliquer certaines choses. Libre à nous, après, d'en faire des interprétations. Autre exemple, on est en Algérie, moins 7000, sur ce qui est reconnu comme une des premières consignations de chamanisme entéogénique. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui expliquent que bah oui, le chamanisme, hein, c'est pas forcément avec des substances. Or, une approche plus scientifique, plus rationnelle, nous montre que la présence d'entéogènes, de substances, finalement, qui viennent élargir ou altérer la conscience, est finalement la règle, hein, puisqu'elle est présente dans plus de 90%, présente et centrale dans plus de 90% des chamanismes à travers le monde et à travers les époques. Et puis au même endroit, vous avez une représentation tout aussi évocatrice avec deux petits bonhommes qui sont visiblement très contents d'avoir trouvé des champignons. Et puis en haut, une spirale. Alors certains disent que c'est pareil, une tentative de représentation des visions que induisent les psychédéliques, qu'on va retrouver dans plusieurs traditions spirituelles, à travers les mandalas, à travers certaines iconographies. Mais ça peut être aussi tout simplement un datura vu d'en bas. Et puis on avance dans le temps, et je vous emmène 25 siècles avant notre ère. Et donc, il faut s'imaginer une zone géographique qui va vous paraître bien grande, mais qui s'étale du bassin méditerranéen jusqu'au nord de l'Inde. Et il y a un point commun à ce moment-là, à cette époque, c'est l'émergence de monothéisme et surtout d'institutionnalisation des pratiques religieuses. Et que ce soit dans le bassin méditerranéen, à travers les cultes à mystère dont on va parler, que ce soit dans ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Iran, en Perse, ou en Inde, on a un point commun, c'est l'ingestion de plantes qui sont confondues avec la notion du divin. Quand je dis confondu, c'est pas du tout péjoratif, hein, il y a une vraie, un entrelacement, un enchevêtrement, où, par exemple, dans le zoroastrisme, on a le prophète principal du zoroastrisme, à travers leur bouquin à eux, qui s'appelle l'Avesta. Et dans l'Avesta, vous avez le Yasna, et dans le Yasna, on a le prophète qui boit un breuvage composé de plusieurs plantes qu'on appelle haoma. Et aujourd'hui, les spécialistes s'écharpent pour tenter de retrouver l'identité de haoma. Il y a plus de 40 candidats avec un consensus qui se dégage pour deux candidats dont on va parler concernant l'identité de ces plantes qui composent ce breuvage qui finalement est un breuvage Dieu. Hein. Quand on l'ingère, finalement, quelque chose nous parle et c'est prétendument Dieu qui nous parle. Au même moment, quasiment à quelques siècles d'écart, en Inde, on a une religion qui s'appelle le védisme, qui est l'ancêtre du brahmanisme, qui deviendra plus tard l'hindouisme. Et donc, dans le védisme, on a les Védas. Au sein des Védas, on a les Rig Védas, qui sont ces bouquins. Et le Rig Véda parle, dans plus d'une centaine de vers, d'un breuvage, c'est bizarre, qui s'appelle Soma. Vous remarquerez la proximité phonétique, Soma, Aoma. Et je vous ai mis quelques petits extraits. Eh bien, dans le Veda, dans les Rig Veda, on nous dit « Nous avons bu le Soma et sommes devenus immortels ». On parlera, je suis sûr que certains sont intéressés par l'idée de devenir immortel. On parlera de ce concept un peu plus tard. Et nous avons atteint la lumière et trouvé les dieux, tout ça en buvant quelque chose. Il couvre les nus et guérit tous ceux qui sont malades. L'aveugle voit. Intéressant, l'aveugle qui voit. Hein, on pourra penser au troisième œil, tout ce qui se passe en termes de vision. Et dans l'Avesta, zoroastrisme, on nous dit « Cette ivresse qui appartient à Aoma produit la vérité. » Ou bien « Je chante Aoma, la plante sacrée. Il donne la force aux guerriers, la santé aux malades. Il purifie l'âme de ceux qui le boivent. » Donc voilà ce qu'on nous racontait à l'époque. Et puis, au même moment, bassin méditerranéen, principalement en Grèce, certains ont entendu parler des cultes à mystères, et plus particulièrement des mystères d'Eleusis. Il faut s'imaginer que l'Empire grec n'était pas un îlot de verdure immaculé, mais plus simplement, cohérente, un ensemble de cités-états qui se faisaient la guerre.
notamment culturellement, à travers des cultes, mais qui avaient une dimension fortement initiatique. Exactement comme dans le zoroastrisme et le védisme, où l'on buvait quelque chose et était puni de mort pendant plusieurs siècles, l'idée de rapporter ce qui se passait à l'intérieur de ces mystères. Ça s'appelait les mystères, ça durait une semaine, ça avait lieu une fois par an. C'était pendant un certain temps réservé aux élites, pendant un certain temps réservé aux hommes, et pendant un certain temps ouvert à tout le monde. Tout le monde, quasiment, tous les gens qui font partie de notre, finalement, de notre patrimoine philosophique et scientifique, que sont Platon, Socrate, Épicure, la plupart des empereurs romains, sont passés par les mystères d'Éleusis. Et puis on peut le dire, hein, se sont bien défoncés la gueule, puisque Éleusis était une initiation psychédélique de masse. Les spécialistes concluent aujourd'hui que plus d'un million de personnes est passé par les mystères d'Éleusis. Tenez-vous bien, les mystères d'Éleusis ont duré 2500 ans. Et donc on avait une initiation qui durait une semaine, et le dernier jour... Alors, intéressant, parce que avant cette semaine d'initiation... qui faisait venir les gens de plusieurs milliers de kilomètres selon les écrits qu'on a trouvés, notamment les écrits de Platon, de Cicéron, qui en parle souvent comme une expérience qui change la vie. Ces initiations, il fallait jeûner pendant une semaine avant, ce qui, pour les gens qui ont expérimenté dans cette salle, l'ayahuasca, levez la main, non, je déconne. Il fallait jeûner une semaine avant, et donc ça peut faire penser à certaines traditions psychédéliques où on se rend compte effectivement que cette expérience de manifestation relativement forte, hein, du contenu biographique personnel, voire même du contenu archétypal de tout un groupe social et d'expérience spirituelle très forte et transformative, est étroitement dépendante de comment on se sent finalement, qu'est-ce qu'on a mangé. Hein, l'expérience de l'ayahuasca n'est pas la même si on vient de s'envoyer un rôti de porc ou si on a jeûné pendant une semaine. Et donc on a découvert... dans plusieurs endroits, dans le bassin méditerranéen, la présence, grâce à des disciplines que sont l'archéochimie et l'archéobotanique, dans les récipients qui servaient à ces cultes initiatiques, la présence d'ergot de seigle. Et l'ergot de seigle est en fait le précurseur du LSD, hein, puisque c'était à partir de l'ergot de seigle que Albert Hoffman, en 1938, synthétise le LSD, cette substance psychédélique. Et donc aujourd'hui, on peut dire sans rougir que ces gens-là, pendant 2500 ans, ont eu des expériences psychédéliques, voire lysergiques. Et l'interrogation qu'on a aujourd'hui, on sait que l'absorption d'ergot de seigle en tant que telle peut être mortelle, extrêmement dangereuse. Et le breuvage qu'on appelait le kikéon était finalement composé de plusieurs ingrédients. On sait qu'il y avait du lait, on sait qu'il y avait du miel, on sait qu'il y avait de la menthe, on sait aujourd'hui qu'il y avait de l'ergot de seigle, et probablement qu'il y a une dimension synergique qui permet l'absorption d'alcaloïdes souhaitables, finalement, peut-être avec moins de danger qu'une absorption d'ergot de seigle qui peut être mortelle. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et pour revenir à Soma et à Oma, donc les spécialistes s'interrogent sur les candidats qui ont composé ces breuvages hautement psychédéliques et entéogènes. Aujourd'hui, ce qui s'en dégage, il y a une forte suspicion, comme on le voit sur l'image de gauche, que le candidat, c'est l'Amanita muscaria, c'est Amanita tumouche, donc le champignon rouge à point blanc, ou bien certaines personnes dont je fais partie penchent plutôt sur l'hypothèse de l'anahuasca, où on a vu ensemble ce que c'est que l'ayahuasca. Eh bien, l'anahuasca, ce serait des analogues à l'ayahuasca, puisque l'ayahuasca est composé d'une plante qui contient de la DMT et d'une plante qui va empêcher sa dégradation trop rapide par l'organisme. Eh bien, il existe au Moyen-Orient, et puis même dans sur notre continent, des plantes qui reproduisent les mêmes interactions, c'est-à-dire une plante qui contient des inhibiteurs de monoaminocidase et une plante qui contient de nombreuses plantes qui contiennent cette molécule psychédélique endogène qui s'appelle la DMT. Voilà. Et puis on avance un petit peu dans le yoga. Hein, il fut un temps où le yoga n'était vraiment pas distinct des consommations entéogènes, puisque la première personne qui a écrit sur le yoga, c'est Patanjali, a écrit vers le 4e siècle les sutras de Patanjali. Et il nous écrit « Les pouvoirs, donc les siddhis, sont innés ou engendrés par l'utilisation de plantes, de mantras,
de la pratique du yoga ou de la méditation. Et donc, à cette époque, et puis depuis longtemps d'ailleurs, on ne partageait pas le même mépris que nous avons aujourd'hui pour les substances qui viennent altérer la conscience. Au contraire, elles étaient au centre de pratiques yogiques et méditatives. Et puis, on a un auteur contemporain qui nous dit « Aucune exploration du yoga et de la méditation ne serait complète sans un regard sur la lignée de plantes et d'herbes sacrées qui, selon beaucoup, sont à l'origine de l'expérience religieuse et de la spiritualité. » Beaucoup d'entre nous ont déjà vu ces représentations de bouddhéité ou de divinité dans l'hindouisme avec des parasols. Alors, évidemment, les dieux ne sont pas contraints de se protéger du soleil avec des parasols. Mais on apprend qu'en fait, à cette époque-là, hein, principalement, alors ces représentations-là sont un petit peu plus fréquentes entre le Xe et le XIIIe siècle, et on se rend compte qu'en fait, on n'avait pas le même savoir qu'aujourd'hui, notamment en termes de séparation des règnes fongiques et végétal, et que tout cela était inclus sous une même considération, c'est-à-dire la considération végétale. Et c'est intéressant de voir qu'en sanskrit, il n'y avait pas de mot pour dire champignon, on appelait parasol, ce qui peut fournir un petit peu d'eau au moulin de l'interprétation de la surreprésentation du parasol dans les représentations de divinité dans l'hindouisme. Et parfois, c'est beaucoup plus explicite. Hein. Donc, parfois, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien tous, mais on a en fait de très, très, très nombreuses représentations de Bouddha avec des champignons très caractéristiques qui ne laissent le champ à aucune confusion. Voilà. Puis on va rentrer dans un sujet qui vous intéresse peut-être un peu plus. Celui de la présence potentielle, enfin non, certaine et attestée, de psychédéliques dans la Bible. Alors dans la Bible, on a 206 plantes. Sur ces 206 plantes, il y en a à peu près 90 qui font consensus auprès des spécialistes quant à leur identification. Hein, l'Ancien Testament est en hébreu, le Nouveau Testament est en grec. On n'a pas, dès lors que une plante avait un nom et qu'elle n'avait pas la description précise, c'est pas toujours évident de l'identifier. Par exemple, dans la Bible, on a cannabosme. Et cannabosme, depuis des centaines d'années, on le traduit par la casse. Eh bien, depuis une trentaine d'années, on admet de manière un petit peu plus commune qu'il s'agit du cannabis, puisqu'en hébreu, cannabis, parle de cannabis. Et donc, on atteste aujourd'hui de manière relativement convenue hein, la présence du cannabis dans la Bible. On a des recettes d'onction, des recettes d'encens dans la Bible qui contiennent donc ce végétal, cannabosme, dont l'identité fait encore débat. Et puis ici, je vous ai mis une petite représentation d'Ézéchiel. Quand on ouvre la Bible et qu'on essaye de s'affranchir d'une vision religieuse, mais peut-être un peu plus prétendument rationnelle ou phénoménologique du contenu de l'expérience d'Ézéchiel, eh bien on a un gars, un prophète, on parlera de la dimension prophétique un peu plus tard, qui voit des roues de fer descendre du ciel dans une grande nuée ardente, et de cette roue de fer, des êtres en sortent, un être en sort, il a quatre visages, et une voix commence à communiquer avec lui dans sa tête. Eh bien, moi, il m'apparaît quand même, c'est une interprétation tout à fait personnelle, mais je ne suis pas le seul, qu'il aurait pu être sévèrement défoncé. En tout cas, c'est un postulat qui gagne de plus en plus de popularité dans les universités, notamment en Israël, où vous avez de plus en plus de personnes qui étudient l'Ancien Testament à travers l'hypothèse entéogénique, c'est-à-dire l'interprétation des prophéties à travers la consommation de substances suspectes. Ça tombe bien parce que sur les 90 substances identifiées dans la Bible, vous en avez au moins une trentaine qui sont psychotropes. On trouve du nard, de l'encens, de la myrrhe, de la datura, de la mandragore dans la Bible. Dans le Coran aussi, on trouve Peganum Armala, la rue de Syrie, en arabe c'est Armal, qui contient exactement les mêmes molécules que l'ayahuasca. Et aussi dans la Bible, on cite l'acacia 23 fois, c'est le végétal le plus cité dans la Bible. Cher à la mythologie égyptienne aussi, hein, puisque le cercueil d'Osiris est fait en acacia. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le tabernacle est fait en acacia. Et puis ça tombe bien, puisque c'est le végétal sur Terre qui contient le plus de DMT.
Il y a plusieurs variétés d'acacia. Principalement, ceux qui en contiennent le plus, c'est Acacia nilotica, confusa, qui sont endémiques de cette région du monde. Et donc, je le disais, dans la Bible, onction, vin et encens. Christ, étymologiquement, c'est loin, L'O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction. Alors, je vous ai cité quelques petits passages de la Bible. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et l'esprit de Yahvé tomba sur David à partir de ce jour. Jean 2:27 nous dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Donc on parle d'une huile, hein, dont vous avez la recette, hein, pour ceux que ça intéresse. « Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. » On fera le pont tentant entre cette notion d'enseignement qu'on trouve, hein, chez les gens qui consomment des substances entéogènes. Et que cette onction est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et puis on a un évangile apocryphe. Il y a plusieurs occurrences, hein, qui sont assez significatives, hein, assez évocatrices, mais là j'ai pris Philippe. La vérité n'est pas venue dans le monde nu, mais c'est en type et en image qu'elle est venue, comme si on recevait des images. Il ne la recevra pas autrement, et on les reçoit par le crème, donc l'onction, car celui-là n'est plus un chrétien, mais un Christ. Celui qui a reçu le crème possède toute chose. Il possède la résurrection, la lumière et la croix. Donc voilà des passages qui nous parlent d'une onction qui aurait des effets relativement étranges quand même, hein, puisqu'on parle aussi beaucoup dans la Bible de cette notion d'immortalité. Et c'est peut-être le moment d'aborder cette notion. Alors l'immortalité, ben, de manière dans la culture populaire, ben, on s'imagine, ben, que quelqu'un qui est immortel, ben, c'est quelqu'un dont le corps finalement ne pourrit pas. Or, à travers les traditions spirituelles, on peut regarder l'immortalité dans une manière beaucoup plus nuancée. Les gens qui vivent des expériences psychédéliques dissolutrices, c'est-à-dire avec la sensation de mourir, et on accède, si vous voulez, à une expérience de mort. Et finalement, après le vécu de cette mort, quand l'expérience psychédélique ou entéogène est vécue dans les bonnes conditions et à dose suffisante, eh bien, quelque chose persiste, la conscience. Comme les gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente, c'est « je suis mort ». D'ailleurs, il y a des mesures, puisque c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus étudié, des mesures de la mort clinique de certaines personnes, et pourtant, quelque chose subsiste, c'est la conscience. Et c'est peut-être ça que je vous invite à considérer comme l'immortalité. C'est pas le fait que le corps ne meurt pas, c'est que quand le corps meurt, quelque chose subsiste. Et ces expériences-là, transcendantes, qu'on retrouve dans la Bible, mais dans beaucoup d'autres religions, dans quasiment toutes les traditions spirituelles, on le verra plus tard, nous font accéder à un état de conscience qui montre qu'après la mort, finalement, on ne meurt pas. Et les gens qui ont écrit sur Éleusis parlent de mourir avant la mort. Et puis le vin, il faut bien sûr s'imaginer qu'il n'avait rien à voir avec le jus de raisin fermenté aujourd'hui, même s'il était fermenté. Par exemple, la mesure du taux d'alcoolémie n'a que 150 ans. Hein, donc c'était un processus qui n'était pas très bien mesuré il y a 2000 ans. On sait aujourd'hui, à travers plusieurs écrits, que le vin était hautement psychédélique et qu'il avait une fonction spirituelle. Hein. La manière de consommer le vin aujourd'hui est peut-être un peu moins spirituelle, mais le vin avait une vraie fonction. Et on connaît aujourd'hui, notamment à travers des auteurs comme Dioscoride, un des premiers médecins, contemporains d'ailleurs, je crois, de Jésus, ou pas loin du tout, 56 recettes de vin avec des composants hautement psychédéliques, donc dans lesquels rentraient notamment le datura, la belladone, la mandragore, la myrrhe, l'encens, etc., etc. On pourrait aussi regarder, ou en tout cas s'amuser à envisager, un des miracles de Jésus, qui est la transformation de l'eau en vin, hein, aux noces de Cana, où tout le monde se faisait chier parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'il n'y avait pas de vin.
Et donc, lui, il vient. Et puis, alors, intéressant, c'est qu'en mythologie comparée, il y a vraiment des passerelles assez troublantes entre Dionysos, Mithra et Jésus. Et avant Jésus, Dionysos était, après sa résurrection, le premier à changer l'eau en vin. Sauf que Dionysos était le dieu du vin, des orgies, des excès, de l'extase. Et on sait que les vins, aujourd'hui on le sait de manière très, très formelle, hein, que les vins qui étaient consommés dans les bacchanales ou les dionysiales étaient hautement psychédéliques, puisque certains mouraient hein, de ces expériences-là. Eh bien, Dionysos changeait déjà l'eau en vin, probablement pas en jus de raisin fermenté, mais en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus psychoactif. Et puis dans l'art roman, à travers l'époque, hein, on a un ouvrage très sérieux des époux Brown, des universitaires de Floride qui ont sillonné l'Europe, ils se sont payés 2 ans de vacances, et pour aller visiter les sites romans où la présence de champignons psychoactifs était assez présente finalement. Donc là, on a, je ne sais pas si c'est le retour de Jésus à Nazareth ou à Jérusalem, en tout cas, il a l'air bien content qu'on l'accueille avec des champignons. Et puis, on a plusieurs représentations d'Adam et Ève et de l'épisode du fruit défendu. Alors, ça fera sourire certains, mais la tentation d'Ève se fait par un serpent. Or, dans le contenu phénoménologique de l'expérience d'ayahuasca, il y a une très très nette surreprésentation des visions de serpents. Et puis, intéressant, petite anecdote, la première fois que Dieu s'adresse à l'homme, la première fois qu'il prend la parole pour s'adresser à Adam et Ève, il leur dit « Tu mangeras de tous les arbres du jardin. » Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis le serpent répond, vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et donc là, on a deux représentations où c'est à plein courroux en Indre-et-Loire et l'autre dans un psautier du XIIe siècle où l'arbre de la connaissance du bien et du mal ressemble étrangement à un amanite tumouche, donc ce champignon rouge à points blancs. Mais aussi plein d'autres représentations de champignons, notamment cathédrale de Chartres, et puis ici aussi, où il y a une personnification d'une plante, par exemple. Et puis, Saint Ignace d'Antioche, un évêque, c'est 35-107, parle de l'Eucharistie chrétienne comme la drogue de l'immortalité. Il lui donne le nom de pharmakon athanasias. Pharmakon est un mot grec qui porte en lui un double sens. C'est à la fois remède et poison. On retrouve cette notion peut-être de dose et d'ambivalence d'une substance qui peut à la fois guérir et à la fois tuer. Et un antidote, il parle de l'Eucharistie comme un antidote et un poison capable de générer la mort comme la vie éternelle. Et peut-être que les deux se retrouvent au même endroit. Platon, Plutarque ont tous utilisé le mot pharmakon pour décrire le vin. Et Dioscoride, je vous en parlais, médecin effectivement contemporain de Jésus, 25-90, dénombre dans ses ouvrages médicaux de l'époque, 56 recettes de vin, dont beaucoup sont psychédéliques. Hein. Et puis, je vous ai encore mis une petite citation de la Bible, dans Corinthiens 11-28, Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous dit... au sujet de l'Eucharistie, hein. Celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc on parlait d'une Eucharistie qui est mortelle à plusieurs reprises, notamment dans la Bible. Et puis, ces breuvages d'immortalité sont quasiment transversaux à toutes les traditions spirituelles. Hein. Alors, ils prennent le nom de pharmakon, amrita, ambroisie, kikéon, hydromel chez les druides, qui n'est pas l'hydromel qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, hein, mais aussi kikéon, haoma, soma, à travers l'histoire. Et puis, il y a Rick Strassman, qui est un scientifique, un des seuls à travailler sur cette substance endogène, qui est la DMT, présente dans l'ayahuasca, aussi dans les anahuasca, dans beaucoup de champignons. Et Rick Strassman nous dit, à la conclusion d'un de ses livres, il nous dit « Les effets de l'administration de la DMT dans un cadre de recherche clinique
on reproduit un bon nombre des caractéristiques de récits d'expériences prophétiques de la Bible. Ces ressemblances sont prononcées dans la sphère perceptuelle, mais les similitudes émotionnelles, physiques, cognitives et volitives sont assez frappantes. Donc il y a là un troublant chevauchement de la phénoménologie de l'expérience de la DMT, telle qu'elle est décrite et constatée cliniquement, et des expériences prophétiques. Alors dans la Bible, dans l'Ancien Testament, n'est pas prophète qui veut, car la caractéristique du prophète et des prophéties correspond à une nomenclature et plus de 40 critères pour qu'une vision soit qualifiée de prophétique. Et il y a une correspondance que Rick Strassman, dans certaines sources, évalue entre 85 et 90% entre l'expérience de la DMT et les expériences prophétiques de l'Ancien Testament. Et puis on avance un peu plus. Je pense qu'il me reste encore un peu de temps. On est au bon endroit pour parler de la sorcellerie, puisque la Suisse avait une histoire toute particulière. Alors, avant que ça s'appelle sorcellerie, c'est, je crois, Charlemagne qui a, pour la première fois, lâché le mot sorcellerie, mais avant cela, avant cette stigmatisation par l'Église de l'époque, il faut quand même réaliser que ces personnes, pour la plupart des femmes, qui travaillaient avec des plantes et qui donnaient, je cite, « des eucharisties illégales, dangereuses, voire même des eucharisties inversées, étaient avant tout des herboristes et représentaient le chamanisme occidental dont on a perdu tout le savoir entéogénique, puisque les plantes, là pour le coup, psychédéliques, dissociatives et potentiellement très dangereuses par rapport aux psychédéliques, qui étaient consommées, c'était la mandragore, la datura, pratiquée en sorcellerie, la belladone, la jusquiame, et qui donnait lieu à des états de conscience élargis, mais qui sont, pour elles, contrairement au LSD, à la psilocybine, à la plupart des psychédéliques, potentiellement mortels. Et donc on a perdu la manière, on va dire, pas tout, hein, mais on a perdu un certain savoir quant à la manière de les consommer. Est-ce que quelqu'un connaît ce sceau? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du Reinheitsgebot de 1516? Personne ne lève la main. Une personne. Merci. Deux personnes. Ok. Le Reinheitsgebot, décret de pureté, hein, si on traduit littéralement, passe pour être un des premiers décrets alimentaires de l'histoire de 1516. Et que nous dit ce décret? C'est le décret de la pureté de la bière, qui statue que la bière doit contenir du houblon. Et pas grand-chose d'autre, finalement, puisque ce décret va lister toute une liste, finalement, de plantes interdites, dont la plupart sont psychédéliques, comme la mandragore, la belladone, qui rentraient, de fait, dans la consommation des bières, comme l'aconite des marais, et qui étaient dangereuses et qui posaient, selon les manières dont la bière était fabriquée. D'ailleurs, c'était à cette époque, la bière était souvent considérée comme au centre du repas, hein, comme une soupe, de manière plus technique, c'était des gruies. Donc c'était plus davantage des bières de fruits que des bières de céréales. On trempait du pain dedans, dont la composition pouvait aussi être sujet à l'apparition de l'ergot, quand la farine était mal conservée. Hein, ça donnait lieu à des épidémies, et notamment, il y a des épisodes assez intéressants dans l'histoire, ce qu'on appelle l'épidémie de 1518, l'épidémie de Danse, à Strasbourg, où on suspecte qu'il y avait une forme d'hystérie de masse où les gens ont dansé pendant des jours jusqu'à la mort. Et on pense que c'est lié à une contamination à l'ergot et les gens avaient des visions religieuses. Ce qui est intéressant dans ce décret, alors outre le fait que l'Église taxait le houblon et que ça l'arrangeait bien, c'est bien sûr l'exclusion des plantes qui nous donnaient des visions et des expériences spirituelles qui pouvaient concurrencer la doctrine, ou plutôt le dogme de l'Église à cette époque, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de passer finalement par le clergé qui détenait une forme d'exclusivité. Ils avaient la ligne directe avec le patron, hein, donc il n'était pas forcément souhaitable d'avoir sa propre expérience, ce que j'appelle l'expérience directe, à travers des breuvages entéogènes, hein, dont les recettes finalement se sont transmises à travers les siècles et les millénaires. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que la plupart des bières de l'époque étaient brassées par les moines. Hein, et les moines passaient leur temps à dessiner beaucoup. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'entités exogènes.
Alors, quand on regarde le contenu phénoménologique de l'expérience psychédélique procurée par l'ayahuasca ou les champignons, et quand on essaye d'approcher ça avec une méthode scientifique, on a une vraie surreprésentation de l'apparition d'entités. Et les gens qui consomment aujourd'hui parlent d'extraterrestres, de démons, d'anges, mais on parle surtout d'extraterrestres parce qu'on baigne dans une culture et qu'on a un biais culturel dès lors qu'on voit quelque chose d'exogène qui vole et qui nous transmet de l'information, finalement, qui nous donne des enseignements. Comme on baigne dans une culture hollywoodienne avec une certaine représentation des extraterrestres, ben forcément, le biais culturel fait que ben, c'est cette représentation des entités qui ressort. Mais à l'époque, la culture étant différente, les mœurs étant différentes, on trouve des démons à cornes et des anges avec des ailes. Et quand on lit la description des anges dans la Bible, ça n'a rien à voir avec des êtres anthropomorphes et ailés, puisqu'il suffit d'ouvrir Ézéchiel pour se rendre compte que les anges sont plutôt quelque chose de terrifiant. Et puis, alors ça va être difficile à lire pour vous, mais ça, c'est une tentative de reproduction de l'arbre des religions. Alors, il y a 25 000 religions aujourd'hui, mais ça, c'est une tentative de représentation des religions où, je vous le décris, le socle, c'est le chamanisme et l'animisme, hein, qui est situé ici sur ce graphique à moins 100 000, mais probablement beaucoup plus ancien. Et puis, on a les branches qui partent vers plusieurs régions du monde et les grandes religions, vers le milieu du graphique, donneront lieu aux religions qui sont beaucoup plus récentes en haut du graphique. En tout cas, c'est une représentation qui est intéressante parce que quand on se penche sur les preuves de sacrements entéogènes au sein de toutes les religions, on va mettre un petit point vert sur les religions. Quand on a une forte suspicion, on va mettre un point jaune. Et quand on n'a pas de preuves, on met rien. Et voilà ce que ça donne. Donc on se rend compte, à travers une approche qu'on aime être objective, que voilà, quand on fait l'alternance, hein, il y a bien sûr une forte, très forte proportion de ces religions qui avaient un sacrement entéogène dans leur rituel. Voilà, j'aime bien terminer sur cette petite image. Et puis, bah oui, j'aime aussi parler des citations de personnes célèbres au sujet des psychédéliques, où nous avons aujourd'hui deux prix Nobel qui ont dédié leur prix Nobel aux psychédéliques. On a Francis Crick, qui a eu le prix Nobel de chimie pour sa découverte de la structure hélico-idéale de l'ADN et qui déclare, après la réception de son prix Nobel, qu'il était sous LSD au moment où il a découvert par intuition la structure hélico-idéale de l'ADN, ce qui lui a permis de chercher la bonne chose au bon endroit. Et puis un autre prix Nobel de chimie, Karim Ulis, qui déclare en ces termes « Et si je n'avais jamais pris de LSD, est-ce que j'aurais découvert la PCR, technique de réplication de l'ADN ? Je ne sais pas, j'en doute sérieusement. » Voilà, en guise de mot de la fin, pour ceux qui souhaitent s'informer, je propose ici des ouvrages, forcément les miens, dont le prochain sort le 11 janvier, coécrit avec le psychiatre Olivier Chambon, c'est Psychédélique entre science et spiritualité, La sagesse interdite qui est disponible ici et dont je propose la dédicace, et un de mes livres préférés, The Immortality Key, si vous lisez l'anglais et que vous lisez beaucoup, parce qu'il fait 800 pages, nous parle de la présence de psychédéliques au sein du christianisme, et notamment du paléo-christianisme. Et puis pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a les documentaires Netflix, Voyage aux confins de l'esprit, qui sont absolument fantastiques. Et petite dédicace à Olivier Chambon dans son livre L'éveil psychédélique, qui parle de l'usage des entéogènes et des psychédéliques à des fins spirituelles. Merci. Voilà, je vous avais prévenu, hein. Vous avez l'overdose. Merci beaucoup Stéphane, c'était prévisiblement brillant, riche, très coloré. Et puis tu as dit des choses énormes aussi, hein, donc ouais. Écoute, moi, on va discuter les deux 5 minutes, puis après on passera la parole au public. Quand même, quand on prend du recul par rapport à ce fleuve d'informations sur les entéogènes dans l'histoire des spiritualités et des religions,
Moi, je me rappelle ce qu'on dit à l'université, au département d'écologie et évolution, quand on a commencé à parler de spiritualité dans le cerveau. Hein, les collègues, ils disaient, ouais, mais alors bon, ton bon Dieu, hein, il est dans le cerveau alors. Donc du coup, je trouve que ce fleuve d'informations sur les entéogènes dans les cultures du monde, finalement, ça pose cette question. Est-ce que finalement, toutes les spiritualités et religions sont des effluves, des substances entéogènes sur les cerveaux humains, et que notre culture était conditionnée par, dans le fond, des illusions? Donc du coup, est-ce que le divin serait une illusion? Version A. Donc du coup, c'est la version neurothéologie, hein, que tu as cité Eric Strassman. Oui, Olivier Chambon dit aussi ça. C'est dans le fond, le cerveau produit des machins, et puis Dieu est une invention. Voilà. Mais il y a la version B, qui dit le contraire. Qui dit, oh là 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 là, pas du tout. En fait, la nature met avec les plantes et les champignons à disposition des humains des substances qui permettent d'élargir la conscience et de voir un univers plus grand, une lumière autre, qui élève l'humain jusqu'au divin. Et on pourrait même dire qu'ils permettent au divin d'accéder à l'homme, si on veut jouer sur cette verticalité. Alors moi, j'aimerais quand même t'entendre sur ta posture. Est-ce qu'on est en neurothéologie, c'est-à-dire est-ce que dans le fond, les plantes produisent du divin, ou est-ce qu'on est en théoneurologie, c'est-à-dire est-ce que ces entéogènes permettent un dialogue entre la créature et le créateur? Voilà. Est-ce qu'on a une heure? Environ. Ouais. Alors, ma position, elle est, sans surprise, elle est plutôt théoneurologique, c'est-à-dire, ça m'embête de dire je crois. Hein, et pour moi, dans ma vision du monde, je fais l'expérience directe. Alors, je n'aime pas le nommer le divin, mais d'une dimension transcendante. Hein, qui est étrangement similaire à ce que les gens vont décrire, ceux qui reviennent d'une expérience de mort imminente, hein, qui est pour le coup une expérience qui est relativement bien documentée de manière scientifique. Mais on pourrait, là tu le présentes dans l'articulation neurothéologie-théoneurologie, on pourrait aussi évoquer une articulation qu'on pourrait superposer à celle-ci, qui est celle de matérialisme et post-matérialisme. Il y a le matérialisme postule qu'en fait la conscience est émise par le cerveau, est un produit du cerveau, et puis d'autres qui diraient plutôt que la conscience est la matière primaire et le cerveau serait finalement une émanation de la conscience. Le cerveau serait plutôt davantage un émetteur d'un champ informationnel plutôt que le récepteur et la valve de réduction d'un champ informationnel plutôt que l'émetteur d'une illusion que serait la conscience. Et puis moi, ça m'amène, cette question très large m'amène à tenter naïvement une réduction de ce qu'est le divin, finalement. C'est en fait, moi je trouve par exemple le divin dans la nature, et la nature au sens large. C'est aussi intéressant de voir que nous sommes une société, une civilisation finalement, dite civilisée, occidentale, au passage capitaliste et consumériste, qui nomme la nature. Hein, dans la plupart des peuples indigènes, la nature n'est pas nommée. Il n'y a pas cette objectivation, il n'y a pas ce schisme sujet-objet. Et donc, nous sommes la nature. Et pour une culture telle que la nôtre, qui s'est séparée de la dimension naturelle, virgule transcendantale, virgule mystique, divine, eh bien, ça paraît complètement incroyable que, à travers l'ingestion de plantes, on accède à quelque chose. Et puis, forcément, comme on est complètement déconnecté de cette dimension-là, ben forcément, c'est du divin. Hein? Alors qu'il existe bon nombre de peuples qui n'ont jamais perdu ce lien et qui sont en contact permanent avec le transcendant. Quand on demande aux peuples natifs qui utilisent l'ayahuasca depuis des milliers d'années, faut savoir qu'il y a 150 000 plantes en Amazonie et que l'ayahuasca, c'est la combinaison de deux plantes. Hein. Donc,
quand on a une approche un peu statisticienne ou probabiliste de la chose, la probabilité de trouver cette interaction entre deux plantes, elle est de 150 000 multipliée par 150 000 moins 1. Donc elle est de 1 sur plusieurs milliards. Donc on imagine qu'il y a eu quand même eu beaucoup de morts avec les essais, mais on leur demande et ils nous disent mais c'est les plantes qui nous ont enseigné, hein, puisqu'ils sont reliés à quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un champ de conscience collectif. C'est ce que Jung pouvait appeler l'unus mundus ou l'inconscient collectif, ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère. Est-ce que c'est pas ça le divin ? Est-ce que le divin, c'est pas tout simplement l'expérience de la conscience dont le cerveau, j'arrive, je le finis bientôt, dont le cerveau finalement n'est qu'une valve de réduction. C'est Aldous Huxley qui a présenté la première fois l'idée qu'en fait le cerveau, plutôt que d'être un ordinateur extrêmement complexe qui nous permettait d'avoir accès à énormément de choses, finalement dont la conscience ne serait qu'un sous-produit, finalement est un filtre qui vient réduire une quantité absolument ahurissante d'informations. Et j'aime bien croire en fait que l'intuition serait en fait la perception corporelle de choses qui sont perçues par le cerveau mais qui ne sont pas perçues par notre face émergée de la conscience. Donc voilà ce qu'est pour moi le divin et ma manière de répondre à la question. Merci, moi c'est très clair, hein. Pour moi l'univers est un esprit et la matière se spiritualise, donc on est tout à fait dans cette optique d'une science post-matérialiste. D'ailleurs, c'est la postface de ton livre, d'accord, avec Mario Beauregard. C'est la postface, on est d'accord, avec Mario Beauregard qui a dirigé ce manifeste pour une science post-matérialiste. Vous lirez ça dans le bouquin. On a des contacts avec Mario, d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment ce 21e siècle de la conscience va poser la question de savoir si la conscience est locale ou non locale. Et quel est notre rapport avec la nature ? Alors, à cet égard, nous venons d'avoir en Suisse la visite du peuple Kogi, un peuple amérindien aussi racine, et eux ne prennent pas de substances entéogènes. En revanche, ils sont en communion avec la nature depuis, semble-t-il, 6000 ans au minimum, et pour eux, le mot nature n'existe pas, comme tu l'as mentionné, parce qu'ils en font partie. Donc, du coup, ils ont une spiritualité qui n'est pas dénommée comme telle. Mais ils vivent en symbiose, tu as évoqué ce mot aussi tout à l'heure, avec la nature, tout a du sens, tout est sacré, voilà. Alors, ma question suivante, c'est la question suivante, c'est, dans le fond, il y a ici dans cette salle beaucoup de gens qui sont intéressés par la spiritualité, mais beaucoup n'ont pas pris d'entéogène ou de psychédélique. Et je pense, pour ma part, en tant que vieil addictologue, j'ai une spiritualité assez profonde, sans psychédélique pendant longtemps. Bon, déduction logique, hein. Bon, voilà. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est à ton avis, et je sais que tu prends position sur cette question dans le livre, j'entends, est-ce que, dans le fond, on peut avoir une spiritualité très profonde, très vaste, très explorée, très aboutie, sans substance. Et comment est-ce que tu justifierais, dans le fond, l'aboutissement d'une spiritualité personnelle en allant faire un petit détour par les entéogènes ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on peut... Voilà. Alors, pas de publicité, hein ? Mais comment est-ce que tu pourrais comparer une spiritualité sèche et une spiritualité avec. Je répondrai en partie avec une métaphore que j'ai dans mon livre, hein, qui est la métaphore de l'ascension de l'Everest. Hein. Donc certaines personnes s'y préparent toute la vie. Et je ne sais pas si vous savez, mais sur les pentes de l'Everest, et en haut, c'est un charnier. Parce que les gens meurent en faisant cette ascension, et on n'a pas les ressources... ni l'énergie, ni le courage de les redescendre. Et c'est très, très, très pollué parce qu'on laisse ses bagages. Hein. Métaphoriquement, c'est très intéressant aussi dans cette ascension. Et donc, des gens font un cheminement spirituel qui est tout à fait respectable dans une voie sèche, telle qu'on pourrait l'appeler, avec peut-être une métaphore alchimique. Et peuvent arriver à trouver des états modifiés de conscience très intenses, dissolutif, hein, à travers le chant, le tambour, la méditation, le jeûne, la privation sensorielle, la danse, la prière, la souffrance. Néanmoins, il me semble
que ces états-là sont donc endogènes et ne sont pas aussi convocateurs que le fait d'ingérer une substance dont on ne va pas contrôler l'issue de l'expérience ni l'intensité de l'expérience. Dans une expérience méditative, on commence quand c'est trop fort, quand l'expérience dissolutrice ou transcendantale est trop forte, eh bien, on ouvre les yeux, on s'arrête, on bouge. Pour la danse, on s'arrête de danser. Donc, voilà une possibilité de l'approche. Et donc, je parlais de cette ascension de l'Everest. Et puis, je compare dans mon livre les psychédéliques à un hélicoptère qui viendrait prendre l'alpiniste et le parachuterait au sommet de l'Everest. Eh bien, imaginez que cet alpiniste ne se soit jamais préparé, et peut-être même que ça ne l'intéresse pas, et peut-être même qu'il n'est pas habillé pour. Et donc, la première réaction qu'il aura au sommet de l'Everest, c'est « Mon Dieu, j'ai froid, je veux vite rentrer chez moi, et puis en fait, je ne comprends même pas où je suis. » Et donc, ça ne fait aucun sens, et il peut même en mourir, il peut rentrer chez lui avec des engelures, et puis il est privé d'oxygène là en haut. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que cette métaphore nous fait toucher? C'est qu'en fait... spiritualité sans psychédélique, c'est vraiment bien, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Et psychédélique sans spiritualité, on peut se cramer les doigts, voire plus. Et c'est pour ça que je plaide, et c'est d'ailleurs un petit peu le contenu de ma conférence, c'est que en fait, l'homme, le chemin de l'homme, n'a jamais été séparé des psychédéliques. Quand on est passé de la quadripédie à la bipédie, il n'y a pas ce moment-là où on a commencé à inclure dans notre bol alimentaire des substances spirituelles. Je crois personnellement que la consommation des psychédéliques n'a jamais commencé, elle n'a pas de début. Elle est confondue avec l'alimentation. Et donc le sentiment spirituel est probablement né de l'ingestion de ces substances qui nous font toucher des royaumes assez incroyables et dont on trouve la description dans la plupart des traditions spirituelles. Donc voilà ma tentative d'articulation entre voix sèche et voix psychédélique. Finalement, moi je les considère comme indissociables. Complémentaire, voire supplémentaire. Oui, complémentaire, oui, bien sûr. Donc on pourrait avoir une spiritualité sèche et accomplie, sans psychédélique, et on pourrait s'aventurer dans les psychédéliques, mais avec la main courante, ou dans le fond le cadre qu'offrirait une spiritualité mature, et un accompagnement spirituel rigoureux. Et ça pose beaucoup de questions au niveau sociologique. Voilà. Mais un truc important aussi à dire, c'est que quand on consomme un entéogène, beaucoup de personnes racontent être en contact avec le royaume végétal, ou être en contact avec le royaume fongique, ou être en contact avec quelque chose d'exogène. Et j'imagine qu'une, puisque là, par convention, on l'appelle la voie sèche, qu'il n'y a pas forcément ce contact interrègne et cette symbiose interrègne lorsqu'on ne consomme pas d'entéogène. Donc, l'entéogénisme, finalement, est très proche d'une symbiose entre plusieurs espèces dont on n'imagine pas la consommation possible. Et on n'avait pas vu ce cousinage entre l'humain et le champignon, entre le végétal et l'animal. Et dans le fond, ton livre, les travaux récents, les neurosciences, la pharmacologie nous montrent cette familiarité qu'on retrouve. Alors ça pose une question quand même, et ce sera ma troisième et dernière question, avant que le public prenne le micro-baladeur. Dans le fond, c'est pas dangereux, il n'y a pas de mort, c'est pas addictogène. C'est bénéfique en termes de santé publique, de santé mentale. Alors bon, on va libéraliser alors. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une vraie question, parce que pour le moment, c'est au compte-gouttes, c'est dans certains pays, notamment en Suisse, il y a un contrôle fédéral strict avec des licences individuelles pour des indications. Donc, c'est les médecins qui tiennent le bâton. Et il y a quelques psychologues qui sont autorisés à faire de la psychothérapie d'accompagnement dans le cadre d'une prescription médicale. Mais si on imagine, on est dans quelques années, disons en Suisse, disons 4-5 ans, et puis on dit, ouais, ben, on va libéraliser la prescription des psychédéliques. Est-ce que, à ton avis, c'est pour tout le monde ou c'est pas pour tout le monde? Et si c'est pas pour tout le monde, c'est pourquoi pas? Et si c'est pour tout le monde, c'est dans quel cadre, dans quel contexte, avec quelle intention?
J'aime bien suspendre mon jugement quant à cette question. Au départ, tu dis, bah voilà, les psychédéliques, c'est pas dangereux, il n'y a pas de mort. Moi, j'aime bien faire le rapprochement avec les véhicules. C'est pas dangereux, il n'y a pas de mort. Ben, en fait, si, mais c'est pas dangereux pour autant, mais ça peut l'être. Hein, en fonction de comment on l'utilise, est-ce qu'on a un permis, on n'a pas de permis, est-ce qu'on respecte le cadre, la réglementation. Et c'est pareil avec les couteaux. Avec un couteau, on peut couper sa viande, on peut sculpter un magnifique objet, et puis on peut blesser, voire tuer quelqu'un. Donc en fait, tu as prononcé le mot intention, qui est, à mon sens, le centre de ce questionnement, qui est un questionnement, je pense, qui est beaucoup plus profond que celui qui est... restreint à la spiritualité ou à la société, c'est en fait la direction que nous prenons actuellement en Occident avec les psychédéliques, qui est une libéralisation progressive sous le contrôle d'une autorité médicale, virgule matérialiste pour la plupart, voire même scientiste dans certains cas, doit nous poser une question, c'est est-ce que je veux conférer mon expérience spirituelle à un médecin ou un psychiatre dont le diplôme ne présage en aucun cas de bienveillance, d'ouverture de cœur, de compassion et de qualité spirituelle qui sont absolument indispensables dans un état modifié de conscience aussi perturbant, transformateur, révolutionnaire que l'expérience psychédélique vécue à haute dose, par exemple. Donc ça, c'est une vraie question. Donc je laisse la question ouverte, et puis pour faire le pendant à cette question, est-ce que je veux confier mon expérience psychédélique transcendantale spirituelle à quelqu'un qui n'a strictement aucun diplôme et qui se lève le dimanche matin en disant « je suis chaman » Donc la question est encore plus ouverte que quand tu la poses, c'est je crois sincèrement que le champ psychédélique est en fait un champ à part qui ne peut pas être réduit à la psychiatrie, ni à la psychothérapie, ni à la médecine, ni aux approches neurologiques. Et donc, j'aime bien dire, il y a deux mouvements. Il y aurait un mouvement, j'en ai un petit peu parlé, hein, un mouvement qui est strictement médical et matérialiste et qui veut peut-être voir un jour les gens prendre du LSD comme on prend un Doliprane, c'est-à-dire avec une approche strictement mécaniste, puisqu'aujourd'hui, on a des sociétés qui valent plusieurs centaines de millions de dollars, dont le seul objet est de supprimer la dimension psychédélique des psychédéliques. Donc avec une incompréhension profonde et peut-être volontaire, qui est de dire ben, on va supprimer la dimension spirituelle et transcendantale de ces absorptions-là, parce qu'en fait c'est terriblement émancipatoire et c'est pas souhaitable. Mais on oublie peut-être que, et on l'a vu hein, dans la corrélation entre spiritualité et dimension thérapeutique, qu'en fait c'est l'expérience spirituelle qui guérit. Et au-delà de l'expérience spirituelle, c'est la relation qui guérit, c'est le lien qui guérit, dont le psychédélique ne pourrait être qu'un catalyseur, par exemple. Donc voilà comment je pourrais tenter de répondre à la question. Merci Stéphane. Alors, je crois qu'au miroir, si la médecine doit s'élargir au psychédélique, il faut qu'elle intègre les trois ordres de la médecine. Il y a un ordre biologique, un ordre psychique et un ordre spirituel. Et tant que la médecine n'a pas intégré l'ordre spirituel, elle n'est pas prête pour encadrer le psychédélique de manière plus globale. Et puis, ce n'est pas seulement une question médicale, et tu sais que toi et moi, on est un peu jungiens sur les bords, donc on est très d'accord sur le fait que l'univers est une totalité et que le but de l'existence, c'est l'individuation. Donc, on est sur ce chemin, mais il est écrit pour l'éternel, mille ans sont comme un jour. Bien, alors, tu sais ce qu'on va faire maintenant ? On va demander... voilà, c'est toi qui a... Oui, alors on va demander à notre directeur de promener le micro-baladeur, et on va prendre les questions du public encore pendant un petit moment. Et j'aimerais vraiment qu'on te remercie encore une fois très très fort pour tes réponses magnifiques. Voilà, alors il y a des mains levées. La première est ici, Didier, oui. Voilà. Merci infiniment. Peut-être que je ne reposerai plus la question quand j'aurai lu votre livre sur lequel je me jetterai avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ma question, c'est la suivante.
on n'est plus très à l'aise avec l'idée que le clergé nous conduisait vers le divin. Vous êtes apparemment fatigué de l'idée que les patrons du CAC 40 nous conduiraient au bonheur. Et puis là, on est maintenant en train de parler d'une spiritualité où on doit quand même, ou d'un accès à la spiritualité, on doit être quand même être conduit par quelqu'un qui maîtrise un peu la situation, les risques et les trucs. Est-ce qu'il y a donc vraiment aucun accès libre, démocratique et pour tout le monde à une spiritualité où il ne va pas se mettre en danger ou se tuer, mais pouvoir en toute liberté et sans devoir éternellement passer par un intermédiaire, chaman ou autre? Oui. Voilà, ça c'est ma question. Merci pour cette question. Je crois que cet accès libre, démocratique et auto-tel à une dimension transcendante, c'est celui qu'on est en train d'avoir en ce moment. C'est-à-dire l'expérience de la réalité telle qu'elle est, telle qu'on la vit à travers nos filtres de perception, est libre à nous de vouloir le transcender d'une manière ou d'une autre. Vous avez utilisé le mot « conduire » et je crois que c'est super intéressant de faire la nuance entre « conduire » et « accompagner ». Puisque vous décrivez des autorités qui nous conduisent, et bien sûr je suis d'accord avec ça, et dans le champ psychothérapeutique ou dans le champ spirituel, moi j'aime bien parler d'accompagnement qui ne consiste pas, surtout pas à montrer la direction, surtout pas à créer un nouveau dogme, une nouvelle religion dont les psychédéliques deviendraient l'outil finalement, puisqu'il faut se rappeler que l'expérience psychédélique, elle nous mène à une très très profonde suggestibilité. C'est-à-dire qu'on devient extrêmement influençable au contexte dans lequel on le fait. Prendre, je dis n'importe quoi, prendre du LSD dans un concert de black metal et prendre du LSD avec sa bien-aimée dans un canapé donne une expérience fondamentalement différente. D'où la notion, je pense, d'accompagnement plutôt que de guidance qui peut laisser libre cours à des nouvelles dérives, finalement. Merci, oui, merci, tout à fait. La notion d'accompagnement est parfaite dans ce lieu et dans ce contexte. Question suivante. Bonjour. Oui. Je suis ici. Non, ouais, alors, voilà. On vous écoute. Vous évoquiez Jung tout à l'heure, et c'est vrai qu'à l'aune de ce que vous avez, des différentes diapositives, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser donc à finalement donc tout son cheminement, sa nuit noire de l'âme, et lorsque lui évoque l'individuation, finalement ne l'aurait-il pas fait donc après consommation finalement de substances? Je me pose la question ce soir. C'est une question que je ne me suis jamais posée. À ma connaissance, non. Nous n'avons pas de traces concrètes de consommation de psychédéliques chez Jung. Hein, la seule chose qui est très connue, bien sûr, c'est son rapprochement et sa tentative de bridge, de pont, en fait, finalement, entre spiritualité et psychologie, hein, qui donnera, oui, finalement, par influence, par ricochet, naissance à la psychologie transpersonnelle, qui m'est très chère, hein, créée par Stanislas Grof et Abraham Maslow, notamment, et Charles Tartt. Mais il n'y a pas de à ma connaissance, de preuves concrètes que de consommation de psychédéliques ou d'entéogènes par Jung. D'accord. Merci. La voix sèche. La voix sèche. Question bonsoir. Suivante. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment un plaisir. J'ai dévoré vos livres, vos travaux, vos conférences. Et je voulais aussi vous remercier d'avoir donné du crédit à Brian Mourariscu, sans qui cette conférence aurait probablement eu pas la même tournure. C'est clair. Et qui d'ailleurs revendique de ne jamais avoir pris de psychédéliques. Donc ça, c'est, et pourtant il a produit ce bouquin de 800 pages qui est à la source de tout ce qu'on dit ici. Pour ma part, personnellement, j'ai pratiqué 9 cérémonies ayahuasca, 5 bouffo alvarus, je crois. J'ai étudié la métaphysique en détail pendant des années, l'hindouisme, le soufisme, l'ésotérisme chrétien aussi pendant plus de 10 ans. Et donc je suis vraiment ouvert sur ces sujets, quoi. Je suis vraiment ni dogmatique ni quoi que ce soit. Donc moi, la question que vous avez posée m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire est-ce que la voix sèche, comme vous l'appelez, enfin est-ce que la voix avec ou sans psychédélique amène à la même chose,
Et donc c'était un petit peu mon travail, en fait, le travail de ma vie. Et ce qui compte, c'est pas vraiment mon expérience individuelle, mais ce qui compte, c'est de voir que en fait toutes les religions n'utilisent pas de psychédéliques. En particulier, comme l'explique Brian, vous avez le bouddhisme contemporain aujourd'hui, zéro psychédélique, pourtant ils arrivent à des états spirituels transcendants, shunyata, etc. Et vous avez aussi l'islam. D'ailleurs, la harmaline n'est pas mentionnée dans le Coran. Ça, c'est des rumeurs. Enfin bref. Et donc tout ça pour dire que, en fait, après ça, je me suis dit, mais à quoi servent les religions? Pourquoi elles existent? Est-ce que c'est vraiment juste un organe de contrôle, de pouvoir, etc. Et je me suis rendu compte, par beaucoup d'études et de pratiques, qu'en fait, c'est une espèce de cartographie de ce monde transpersonnel, comme l'appelle Olivier Chambon. Et donc, en fait, elle nous donne aussi le chemin, entre guillemets, pour y arriver par la voie sèche. Et ça marche plutôt bien, en fait. Il y a pas mal de gens qui peuvent en témoigner. Donc voilà, je voulais vous remercier de tout ça et puis partager cette petite expérience personnelle. Et puis, pour finir, sur la conscience, sur qu'est-ce que le divin, qu'est-ce que la conscience, etc. Ben, c'est des questions qui sont posées depuis plusieurs milliers d'années dans l'hindouisme. Et vous avez la Vivekananda Society à New York qui donne beaucoup de conférences sur ces sujets pour les ramener au grand public. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont une approche très moderne sur des questions très anciennes. Et donc, du coup, il vous décompose toute la conscience, ses différentes couches, qu'est-ce que Atma, Jivatma, etc. Et je pense que ça pourrait beaucoup vous intéresser si vous cherchez à approcher tout ça sans psychédélique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Question suivante. Commentaire suivant. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question, c'est parce que bon, j'ai eu la chance aussi d'expérimenter des états modifiés de conscience. Et moi, je suis en fait dans une quête de recherche, parce que je cherche des informations sur, par exemple, quelle est la. Pour vous, ma question, c'est en fait, ce serait. Pour vous, c'est qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'expérience psychédélique ou l'expérience dite méditative dans l'émergence des états modifiés de conscience par rapport à la création de religion, par exemple? J'en sais rien du tout. J'aime bien penser à une forme de simultanéité et que l'un entraîne l'autre. Ce qui est intéressant, c'est d'envisager le fait que les psychédéliques ont été consommés parce qu'ils étaient là. Et quand ils n'étaient pas là, il y a le terme, je ne sais pas si ça se traduit en français, de scarcity, c'est-à-dire la raréfaction, je crois, des ressources. Quand les psychédéliques n'étaient pas là, ben peut-être aussi que la nourriture n'était pas là et que ça donnait lieu à des états de privation, notamment de nourriture, à des états de jeûne, à des états modifiés de conscience tels qu'ils sont décrits dans la Bible à travers le jeûne, mais aussi dans d'autres traditions spirituelles. Et voilà, donc je pense qu'il peut y avoir un nourrissement des deux états par l'approche avec et l'approche sans. Moi, ce que je trouve intéressant dans les conférences que je fais, c'est qu'il y a bien sûr cette question qui revient tout le temps de quasi systématique, mais est-ce qu'on peut y arriver sans? Bien sûr, on peut y arriver sans. Mais je trouve que la question, elle est très symptomatique d'une culture qui a complètement coupé le lien, au point de se demander, mais est-ce qu'il faut prendre ou il ne faut pas prendre? Alors qu'il y a encore 600 ans dans ce qu'on appelle la sorcellerie, ou encore dans il y a quelques milliers d'années dans la société traditionnelle classique, ou encore aujourd'hui dans les tribus indigènes, on se pose pas la question. Ça fait partie du bol alimentaire et l'expérience spirituelle. On se pose pas la question si elle est engendrée ou non par l'expérience entéogénique ou psychédélique, puisqu'il n'y a pas cette même distanciation de la nature et on est dans une société qui a stigmatisé l'état modifié de conscience. Je rappelle qu'en France, depuis peu, la méditation est interdite à l'école. Voilà. Parce qu'il y a eu donc une expérimentation à large échelle, hein, avec des écoles pilotes, et ça nous met dans des états de suggestibilité qui peuvent prêter à le sport national en France, c'est la qualification de dérive sectaire. Donc voilà pourquoi, voilà un exemple, si vous voulez, de distanciation de, finalement, l'émancipation que procurerait l'expérience spirituelle. Quand vous vivez une expérience spirituelle, qu'elle soit avec ou sans psychédélique, eh bien on peut se rendre compte, finalement, qu'on a besoin de moins consommer,
on a moins besoin de carrière, de grosses voitures, de paraître, de briller, et de souscrire finalement à cette idéologie consumériste qui est en train de détruire la planète. Mais si vous voulez, l'expérience spirituelle... Laissez-moi parler. L'expérience spirituelle et l'expérience psychédélique ne sert pas le projet capitaliste. On peut quand même rappeler que si les psychédéliques ont été interdits aux États-Unis, c'est à cause de la guerre du Vietnam, parce que parmi les drogues consommées par les GIs, l'héroïne leur permettait de supporter la douleur, la cocaïne de devenir plus agressif au combat. En revanche, les psychédéliques les rendaient pacifistes. Et on dit que Nixon a retiré les psychédéliques de la liste des médications, enfin que c'était interdit parce que ça rendait les gens pacifistes. Donc, tu peux confirmer Oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la guerre du Vietnam ne remportait pas tous les suffrages. Ils avaient besoin, finalement, d'un soutien populaire qui avait du mal à décoller sous LSD. Exactement. Donc, il y a vraiment des questions de civilisation là derrière, et ça va dans le sens que tu viens de dire. Alors, question suivante. Oui. Merci pour cette excellente introduction et conférence. Il y a un mot qu'on utilise tout le temps, c'est une question qui dépasse d'ailleurs cette assemblée pour moi. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de qu'est-ce que la spiritualité ? Oui, j'ai tenté à un moment de le faire. Je crois que c'est quelque chose de très personnel. Hein. Quand on lit la définition de la spiritualité, c'est tout ce qui s'oppose à la matérialité. Et puis, est-ce que la matière est habitée par un esprit ? Ça reste une question ouverte. En tout cas, je crois que c'est à chacun, hein, pour éviter de rentrer dans à nouveau le dogme, hein, de définir ce que c'est que notre rapport au transcendant, notre rapport au spirituel. Je pense que la spiritualité est avant tout une expérience personnelle. La mienne, c'est le contact avec une intelligence non humaine. On entendra ce qu'on veut derrière, hein. C'est très très large. Pour certaines personnes, dont moi aussi, hein, c'est la dissolution de cette structure qu'est l'ego, l'illusion du soi, alors que toutes les traditions spirituelles nous disent qu'il existe quelque chose derrière, quelque chose de beaucoup plus grand. On pourrait dire aussi que la spiritualité, c'est peut-être déjà tout simplement observer ses pensées et se rendre compte que nous ne sommes pas nos pensées. Donc nous ne sommes pas cette structure agissante qui pense et qui croit être tellement importante et qui manque finalement de recul. C'est peut-être déjà tout simplement ce retour arrière. Il y a beaucoup d'ouvrages sur une spiritualité, des spiritualités sans Dieu, des spiritualités athées. Donc c'est un champ très large qui, à mon avis, doit se limiter à l'expérience personnelle. Et si on a une avancée à faire au sens collectif, ce serait justement en direction de la liberté de conscience et de l'expérience directe et du droit à chacun de déterminer ce qu'il entend lui pour lui comme transcendance spirituelle ou mysticisme, par exemple. Merci. On continue. Oui. Oui, madame. Alors, il y avait une citation qui m'a un peu interpellée, c'était « Force aux guerriers, et guérison et paix de l'âme ». Alors, je voulais savoir comment vous interprétiez ça, cet antagonisme. Oui, vous parlez plus particulièrement de la dimension guerrière. Oui, voilà, par rapport à... J'ai pas vraiment de réponse, hein. La citation est issue de la Bhagavad Gita. Du Rig Veda, pardon, il faut se replacer dans un contexte où il y avait justement des guerres de territoire pour des raisons de ressources, et puis la dimension guerrière dans une société qui commençait à devenir patriarcale a peut-être une dimension aussi sacrée, et peut-être aussi que je crois, hein, que ce qui caractérise la religion en tant qu'institution, c'est la narration. Hein, c'est la tentative de transmettre quelque chose sans passer forcément par l'expérience directe et en proposant une expérience intermédiaire. Donc la religion en tant qu'institution, c'est ça. Et je crois, là on est pour le coup dans le domaine de la croyance, que cette transmission-là se faisait aussi avec des valeurs qui pouvaient être martiales, guerrières, et qui favorisaient la survie de l'institution en question. Okay. Voilà.
Merci. La discussion se poursuit. Il y aura quelqu'un là-haut après. Ouais. Merci d'avoir partagé les résultats de vos travaux. Et au début de votre exposé, vous avez défini ce qui est légal et ce qui n'est pas légal en France en particulier. Comment voyez-vous, par quelle voie imaginez-vous qu'il y aurait un changement de ce côté-là? Comment ça pourrait advenir? Quels déterminants, quelles forces sont vives? Quelles sont les contraintes? Je crois que on a en Europe, sans vouloir trop généraliser, vraiment un prisme vraiment scientifique, hein, qui est la nouvelle religion sans nom, hein, le scientisme. Hein, c'est pas scientifiquement prouvé, ça n'existe pas. Or, on oublie de dire que la science est juste une méthode. Sans vouloir l'opposer à d'autres méthodes comme l'expérience directe ou l'empirisme ou la spiritualité, peu importe. En tout cas, c'est celle qui domine aujourd'hui. On l'a vu dans la triste période qu'on vient de traverser, hein, avec la Covid. C'est un nouveau dogme, hein, qui sert aussi toute une industrie qui est derrière et qui favorise son expansion. Et donc, je pense que c'est à travers ce prisme-là que la légalisation, ou au moins la décriminalisation, on a vu que l'impact de la décriminalisation dans les pays où ça s'est fait est absolument remarquable. On a une chute de 60% des accidents liés aux consommations de drogue en Norvège et au Portugal quand il y a eu décriminalisation. Et donc, la progression sur la voie psychédélique peut se faire sous ce prisme-là. Aux États-Unis, c'est très différent. Ça se fait principalement par une association qui s'appelle Decriminalize Nature, décriminalisons la nature, et qui milite à travers un prisme différent, qui est celui du droit d'accès à chacun à un sacrement tel qu'il l'entend, qui lui permet d'accéder à une dimension religieuse, non dogmatique et non institutionnelle. Et donc, on est plus dans une dimension de liberté de conscience. Voilà ce que je peux répondre. Donc, il y a ces deux voies, mais la spécificité, notamment française, fait qu'on se dirige plutôt vers une approche scientifique. Avec un petit dièse qui est le pragmatisme. Parce qu'en Suisse, on a cette chance d'être assez pragmatique. J'ai participé aux prescriptions médicales d'héroïne qui étaient assez choquantes pour le grand public européen ou international au départ. Et là, on est en train de nouveau d'ouvrir une trace avec la prescription médicale de psychédéliques. Est-ce que ça ouvre aussi un champ de possibles par pragmatisme? Alors, on revient à la discussion de tout à l'heure. Il ne s'agit pas de médicaliser la conscience, mais... est-ce que le pragmatisme serait peut-être, pour répondre à la question du public, une voie pour que ça change, si ça produit des effets intéressants, positifs, sanitaires, voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est que le pragmatisme, mais donc, comme je l'entends, j'imagine que c'est à mi-chemin entre l'aridité nécessaire de la science et sa volonté d'objectivité, ou au moins d'intersubjectivité, et finalement des choses qui sont très personnels et ne peuvent pas être mesurables ni reproductibles. On est d'accord. Merci pour votre exposé. J'ai été frappé d'une chose, c'est que l'origine en fait, de toutes les substances sont végétales ou dans les champignons. Or, vous pourriez faire un commentaire sur le fait qu'il y en a qui sont aussi, qu'on trouve aussi dans le règne animal, je pense à la bufoténine. Puis, alors, peut-être une deuxième question sur des molécules que vous n'avez peut-être pas non plus abordées. Les nouveaux psychotropes de synthèse, où on part de ces molécules qu'on va trouver dans la nature, qu'on change un petit peu. Et puis, vous avez évoqué le LSD, mais on a du 1CP-LSD, du 1VLSD, des choses beaucoup plus puissantes. On a les N-Baum qui arrivent sur le marché, on a les 2CB. Et dans le fond, comment confronter ces molécules comparées à celles dont vous avez évoqué, où il y a des millénaires, on pourrait dire, d'empirisme par rapport à ça, avec ces nouveaux produits qui arrivent beaucoup plus puissants qu'on ne connaît pas du tout. Votre question, c'est comment les confronter ou comment exprimer l'articulation entre ces approches finalement synthétiques et d'autres naturelles? Alors les deux. La première question, c'est quid du monde animal, où on en trouve aussi. Ouais. Vous n'avez pas évoqué, est-ce qu'elles n'ont jamais été consommées dans un but spirituel ou d'une recherche quelconque? Et les nouveaux produits
Alors, je ne vous demande pas d'avoir une boule de cristal pour prédire leur avenir, mais comment elle pourrait s'inscrire par rapport à cela ? Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si je vais répondre pile à ce que vous souhaitez. En tout cas, je vais répondre avec ce qui m'habite. Oui, le monde animal, déjà, la bufoténine, hein, qui est une substance présente sur ce crapaud, mais pas que celui-ci, hein, puisque le crapaud Buffo alvarius émet un poison. Ce poison est fumé depuis au moins plusieurs centaines d'années, mais on n'a pas la preuve sur son utilisation un peu plus ancienne, et produit une expérience dissolutive ou dissolutrice qui est vraiment, vraiment transformatrice, souvent décrite par les utilisateurs comme l'expérience la plus puissante possible d'une vie. C'est intéressant à rapprocher du mythe qu'on connaît tous, du baiser sur le crapaud qui se transforme en prince charmant, qui vient peut-être de consommation de substances animales sur notre continent, mais encore une fois, on en a perdu le savoir. Et puis dans les livres d'enfants, pareil, il y a des choses qui se transmettent très bien, c'est les potions magiques avec la bave de crapaud. Voilà pour une petite anecdote. Mais aussi, le règne animal consomme le règne animal à titre psychédélique. On a au moins, pour ce que j'ai pu recenser, au moins une vingtaine d'espèces animales qui se droguent dans une dimension intentionnelle. Hein, il ne s'agit pas de l'histoire des cervidés qui mangent des fruits gâtés qui sont remplis d'alcool et qui se promènent bourrés dans les rues de Norvège, hein, puisque là on peut penser à une consommation accidentelle, mais les dauphins, les gorilles, les lémuriens, les chiens, les chats, je ne sais pas si vous avez déjà vu des chats qui mangent de l'herbe à chat, n'essayez pas, ça ne fait pas d'effet. Mais les lémuriens prennent des chenilles psychotropes, les cassent, les déchirent en deux et se les frottent sur le pelage pour atteindre un état prétendument psychédélique. Les dauphins jouent avec les poissons globes. Vous avez d'autres espèces de poissons qui contiennent de la 5-MeO-DMT. Donc voilà pour la dimension psychédélique animale. Il y a sans doute plein d'autres choses que j'oublie ou que je ne connais pas. Et puis après, concernant les substances dites synthétiques, les nootropiques, ou même les designer drugs, moi j'aime bien penser que quand on consomme une molécule sortie d'un laboratoire, on consomme une molécule. Quand on consomme un champignon, on consomme plusieurs molécules dont certaines ne sont pas psychédéliques et probablement, en tout cas dans mon expérience personnelle, on consomme finalement quasiment tout un biotope qui a été emmagasiné par un être vivant et on ne consomme pas qu'une seule molécule, on consomme quelque chose qui, dans la perception de l'animisme, est animé, est anthropomorphisé, possède un esprit dans plusieurs chamanismes, dans la majorité des chamanismes, on a cette anthropomorphisation de la plante et chaque plante a un esprit. On peut regarder ça comme la tentative d'établir une interface avec quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est vrai qu'en lui prêtant un esprit, on l'anthropomorphise et finalement la communication peut se faire. Donc voilà la grande différence et l'articulation que je pourrais tenter d'exprimer entre substances synthétiques qui sortent d'un laboratoire et qui n'ont pas d'occurrence dans la nature. D'ailleurs, jusqu'à il y a un mois, on pensait que la kétamine n'existait pas dans la nature. Or, on a trouvé une espèce de champignon microscopique il y a très récemment qui produit de la kétamine. Et voilà ce que je pourrais tenter d'exprimer, c'est que les substances dites vivantes, dites naturelles, ne contiennent pas qu'une molécule, mais un cocktail d'informations peut-être vibratoire, peut-être énergétique, puisque ça a une réalité scientifique, et qui influe l'expérience psychédélique qui devient alors davantage symbiotique et spirituelle. Bravo. Bravo, merci. Juste pour glisser qu'en médecine tibétaine, on mélange entre 100 et 200 plantes différentes pour faire un médicament. Donc ça va dans le sens de l'expérience de la nature et de la symbiose avec l'être humain. Alors, je suis passé un petit peu rapidement sur le sujet de la médecine tibétaine, ou plutôt du bouddhisme tibétain, qui trouve ses origines dans un syncrétisme entre chamanisme, médecine tibétaine et religion. Et dans le Dzogchen, vous savez, chaque religion a son courant ésotérique. Hein, par exemple, l'un des courants ésotériques du christianisme, c'est le gnosticisme. Dans l'islam, c'est le soufisme. Dans le judaïsme, c'est la kabbale. Eh bien,
un des courants ésotériques du bouddhisme, c'est le Dzogchen dans le bouddhisme tibétain. Et dans le Dzogchen, dans le parcours initiatique, il y a un rituel secret qu'on appelle le Drupchen. Et dans le Drupchen, il y a la consommation de pilules, Mendrup, dont les recettes sont millénaires. D'ailleurs, le Dalai Lama vient d'un endroit qui a une tradition millénaire de fabrication de ces pilules. Et bien forcément, certains scientifiques, comme c'est secret, se sont penchés sur l'élucidation de la composition des Mendrup. On se rend compte qu'il y a des morceaux de reliques, de momies. Vous savez l'importance de conserver certaines momies, certains maîtres qu'on momifie pour en faire des reliques. Eh bien, on prélève de la matière organique pour l'inclure dans ces pilules, mais aussi des matières minérales, des matières animales et des produits psychédéliques. Et donc, dans le bouddhisme tibétain, on a un rituel et plein d'autres d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi le rituel de la découpe des morts, hein, dans ce phénomène rituel qui consiste à donner le cadavre de ces défunts aux vautours. Hein, donc on a l'enterrement par le ciel, hein, qui est quelque chose à la fois de terrifiant et de très beau, où celui qui découpe ces cadavres le fait dans une fumigation de Burgmansia ou de Datura, dans un état altéré de conscience qui lui fait apparaître des choses pas très sympas d'ailleurs. Mais ça fait partie, la dimension psychédélique fait partie également du bouddhisme tibétain, qui, je le répète, est un syncrétisme entre chamanisme, religion et médecine. Hein. Merci pour ce complément, je crois très utile. Question suivante. Alors, oui. Il y a ici au premier rang une main levée. J'ai encore le micro, donc j'en profite. Et il y a encore un micro là-haut. Oui, alors puis après on descendra. Oui, monsieur. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'ai une question plutôt pour monsieur Besson. Je viens sur l'encadrement. On a parlé de pragmatisme helvétique et j'avais une question un peu basique sur comment ça se passe vu l'importance du setting quand on prend des substances, c'est-à-dire la manière de cadrer le temps que ça prend, plusieurs heures, pour avoir un remboursement et imaginer qu'on puisse cadrer ça par une société qui soit en mesure finalement d'être dans un encadrement médical, ou est-ce qu'on sera obligé d'arriver vers autre chose parce que c'est juste trop cher en fait. Alors merci pour la question. Donc c'est une question médicale. Actuellement, tout est expérimental. L'Office fédéral de la santé publique donne des autorisations à titre exceptionnel et à titre compassionnel à des médecins qui en font la demande selon des critères très précis pour certaines indications. On peut évoquer la dépression résistante, il y a des critères, l'alcoolisme résistant, il y a des critères, et les graves traumatismes psychiques. C'est trois indications qui doivent être documentées, il y a une critériologie. Le médecin se déclare donc prescripteur auprès de l'OFSP, il obtient une autorisation en tant que médecin et il demande une autorisation pour son patient. Mais là où vous avez raison, c'est que tout cela, dans le fond, prend du temps. Et une journée, disons, d'accompagnement, de psychothérapie, d'accompagnement par des psychédéliques, ça prend plusieurs heures. Donc si on veut aller au tarif TARMED, ouais, bah, ça coûte une blinde, quoi, voilà. Donc ça pose un vrai problème sur l'accès en termes financiers de la population à ce type de prestations. Et ça va poser des questions importantes sur la limitation pour des raisons financières ou alors à des délégations, à des gens qui ont peut-être moins de compétences qu'un psychiatre, FMH, psychothérapeute licencié par l'OFSP, qu'une psychologue, psychothérapeute licenciée en PAP par la Schweizerische Gesellschaft, vous voyez ? À ce moment-là, on va tomber sur des problèmes de dilution des compétences ou des responsabilités. Et là, ça va être difficile. Là, c'est les juristes qui vont commencer à regarder, les financiers. Et comme moi, j'ai vécu toute l'histoire de la prescription d'héroïne, vous savez, le peuple a voté hein, sur le remboursement de l'héroïne par la caisse maladie. Et on a voté oui, mais c'était à 54% oui. Hein. C'était une des votations les plus difficiles, le remboursement de l'héroïne par la caisse maladie. Donc là, on va, je pense, en quelques années, dans cette direction. Je pense qu'il y aura des critères assez stricts avec des juristes et des médecins qui vont bosser en commission. Ça va être restrictif. Actuellement, l'héroïne médicale à Lausanne, c'est 50 places. Sur 5000 héroïnomanes, dont 3000 ont la méthadone, vous voyez. Donc, on ne va pas du tout vers une libéralisation sociétale
de l'accès aux psychédéliques dans le sens où on en a discuté, Stéphane et moi, tout à l'heure. Donc je crois que le destin médical des psychédéliques est forcément limité par les coûts, les pratiques, la loi, le serment d'Hippocrate et le reste, et tout, et tout, et tout. Donc on pose des vraies questions de société. Maintenant, on pourrait inverser la question. Est-ce que, dans le fond, les spiritualités avec psychédéliques vont-elles éclore? Moi, j'ai entendu parler de chrétiens qui veulent faire la Sainte Cène avec des champignons. Tu peux commenter ça? Peut-être que c'était déjà le cas. Hein. Alors, c'était le cas historiquement, mais il paraît que ça fait retour. Tu en sais quelque chose? Non. Alors, moi, j'ai vu ça. Hein. Ils sont, bon, ils ne crient pas au grand jour, mais on va faire la communion avec les champignons. Mais la vraie, hein, avec Jésus, tout comme il faut. Hein. Donc, c'est juste pour décaler du médical au religieux, n'est-ce pas? Voilà, ça pose des questions abyssales, n'est-ce pas? Voilà. Question suivante. Je me permets encore de oui, monsieur. Faire balader. Donc, je me permets encore de faire balader le micro au niveau du balcon, puisqu'il a balcon, été oui. présent au niveau du parterre, comme on dit ici. Donc, la prochaine question vient d'une dame au balcon. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que ça fait du bien d'entendre ce discours, qu'on a été coupé de la nature. Parce que c'est vrai que revenir avec ce contact, moi je suis née en Norvège justement, et j'ai vécu toute mon enfance et jusqu'à 18 ans en Norvège. Et quand on baigne dans cette puissante nature et qu'on est connecté à la nature, un peu comme ici en Suisse aussi d'ailleurs, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Maintenant, ce que je voulais surtout dire, c'est vous avez parlé de ces deux voies, la voie donc sèche et la voie l'autre, je ne sais plus comment vous l'avez appelée. Je voulais dire qu'il y a une troisième voie et c'est la voie spontanée, directe, qu'on ne choisit pas en fait. Et quand j'avais à peu près 28 ans, j'ai vécu ces expériences-là. Et effectivement, je me suis bien demandé ce qui m'est tombé dessus. Et c'était un peu comme vous vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se retrouve à Mount Everest, puissance 1000, et on a du mal à intégrer et à comprendre. N'empêche que on sort. Enfin, moi, je me suis sortie quand même beaucoup plus solide, avec une ouverture du cœur et des guérisons. Spontané, direct. Voilà, je voulais juste partager ça. Merci. Il nous reste du temps pour peut-être deux questions. Il y a un monsieur devant et puis il y a encore quelqu'un derrière. Oui, alors. Alors, quelqu'un derrière et quelqu'un devant et puis après on discutera à la cafétéria. Ouais. Jacques, Stéphane et cher public, je crois qu'on sera obligé d'élargir au moins quatre questions. Et puis, alors, ce sera deux questions en haut et deux questions encore en bas. Alors, des questions courtes et des réponses brèves. Merci. Alors, j'ai une question d'un jeune intervenant. Alors, je vous remercie pour cette conférence. C'était vraiment passionnant à tel point que ça m'a donné envie moi-même de faire l'expérience. Maintenant, je me posais la question... Est-ce que en fait la prise de psychédéliques pourrait accroître le risque de développer des maladies mentales ou des troubles psychotiques ou ce genre de choses en fait? Oui, alors on n'en parle pas. Olivier Chambon le répète souvent. Hein, c'est quelque chose l'expérience psychédélique, donc cet élargissement des perceptions est très 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 fortement déconseillé dans le cadre d'un terrain propice. À la psychose, à la schizophrénie, à des choses comme ça. Et donc là, c'est pour ça que je pense que la dimension médicale est bien sûr tout aussi indispensable que la dimension spirituelle. Et très clairement, ce n'est pas une expérience pour tout le monde. Encore une question depuis le balcon. Oui. Oui, bonsoir. Une question brève. Qu'en pensez-vous de la respiration holotrophique ? Elle a été créée par Stanislas Grof qui voulait justement, suite à l'interdiction du LSD, tenter de reproduire les mêmes effets que le LSD à travers une respiration très particulière.
Alors, personnellement, je pense qu'on en est très loin. Néanmoins, c'est un état de conscience qui peut être cathartique, thérapeutique, que j'aime beaucoup rapprocher des techniques de respiration yogique qui ont des siècles. Et avant le yoga, il y avait d'autres techniques de respiration qui induisaient des états modifiés de conscience. On prend encore deux questions. Il y avait une question devant aussi, oui. Devant, voilà. Ah, c'est la même, alors bon. Alors une autre, encore devant, là, voilà. Merci. C'est pas une question, c'est plus un partage d'expérience. Oui, ça va être très bref. Je compare les champignons avec les liens entre nous tous. Et la connaissance de tout ce qu'il y a sous la terre, extérieure aussi. C'est une connaissance infinie. Et puis, j'ai l'impression qu'on en est au tout début, vraiment, des apprentis. Et puis, c'est passionnant. Voilà. Merci. 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 Et l'ultime question de la soirée. Ultime ! C'est pas la dernière, elle est ultime. Alors, Didier, il y a une main levée ici. Et de manière arbitraire, elle est donc... Voilà, une dame. Elle a une dame. Et ce sera une dame au parterre. Voilà, soyons galants. Voilà. Vous en avez absolument pas parlé, mais en fait, est-ce qu'il y a eu des études entre substances en terre ou je sais pas, et les psychédéliques et l'épilepsie ? Étant donné que l'épilepsie, c'est quand même... les troubles épileptiques, c'est les troubles les plus importants. Oui. J'ai vu passer quelque chose à ce sujet. Je ne suis pas formel, mais pour ceux qui souhaitent trouver des études entre les interactions concernant certains troubles ou certaines consommations d'autres médicaments et les psychédéliques, il y a Google Scholar, qui est en fait une partie de Google qui va répertorier toutes les études scientifiques. Et si vous tapez, par exemple, « psychedelics » et épilepsie, vous allez trouver tout ce qui s'est fait sur le sujet. Et je glisserai que l'épilepsie temporale droite s'appelle aussi épilepsie sacrée. Et qu'elle permet des voyages mystiques fantastiques. Mais c'est encore une autre histoire. Ce sera peut-être ultime, effectivement. Donc je propose que nous félicitions Stéphane encore une fois. Il y a encore quelques livres, il peut encore faire quelques dédicaces pendant un petit moment après la conférence. Et puis je vous rappelle que le cycle de la conscience se poursuit. On se retrouve en février avec le docteur Maurice Stauffacher, qui est président de la Société suisse d'onirologie médicale, et il va nous parler des rapports entre rêve et spiritualité. Venez nombreux. Bonne soirée.